Bienvenue à un autre épisode de Répète pas ça. Ici Alexandre Bizaillon. Je sais pas, on est rendu quel numéro d'épisode. Quel numéro, Chuck? On le sait pas. Hein? Autour de 65-70. Oh! Je pensais qu'on était rendu à 100, fait que c'est une mauvaise nouvelle, mais bref. Alors, on lâche pas, on va se rendre au centième incessamment. Merci infiniment. Mon speaker vient de me parler. Merci de nous écouter. Marianne Saint-Gelais. Salut, Alex! Comment ça va? Ça va bien. Salut, Chuck! Allô? Allô, Marianne? Mon Dieu, c'est la première. C'est la première, j'apprécie énormément. Ben voyons, il y a 70 podcasts. On peut le dire avec un B ou un P. C'est comme. Podcast qui s'est fait, puis il n'y a jamais personne qui a salué Chuck. Non. Je te le dis, est-ce que le monde artistique, là, c'est tous sont imbus de même, là. Mais je suis vraiment contente d'avoir cette première. Fait que les gens te connaissent. Ben, j'espère. Ou pas, penses-tu qu'il y a un endroit au Québec que genre zéro, 0% des gens. Mais ça se peut, c'est 100% des gens te connaissent pas. C'est sûr qu'il y a un endroit. Mais je veux juste te dire, je suis allée à Saluit en octobre dernier, c'est-à-dire que c'est au nord du Québec, genre le point le plus haut au nord du Québec. C'est pas loin de Coudjouac? Oui, mais encore plus dans le nord. Et il y a un monsieur qui m'a reconnu là-bas. J'ai capoté. J'étais comme, oh mon Dieu, ils ont pas la télé. Tu sais, ça a aucun sens. Fait que, ouais. Ils ont pas le corps. Tu sais, surtout Saluit, c'est un petit village complètement isolé, tu sais. Pourquoi t'étais là? Pour un tournage. Mais ouais, fait que c'est sûr que ça existe. Mais c'est surprenant à quel point des fois les gens peuvent. Je sais pas, tu connais. Bon, mais là, quand tu vas faire ton épicerie, là, au IGA ou. Peu importe où tu vas faire ton épicerie, ça t'appartient. Mais y a-tu des, on va dire super C, mais toutes les appels. Tu te fais-tu beaucoup reconnaître? T'as-tu la tête d'un banane pis on fait, je vous aime. Marianne la banane. Ouais. C'est ton surnom. Non. Mais y a-tu du monde qui t'accoste beaucoup? Ben, c'est super respectueux, là. Tu sais, on s'entend que quand t'es athlète, ce que tu fais, c'est représenter ton pays, là. Fait que tu le fais le plus dignement possible. Que tu gagnes, que tu perdes, c'est noble ce qu'on fait. Tu sais, fait que les gens, souvent, c'est tout le temps les gens qui nous félicitent puis qui me disent félicitations pour ta carrière, blablabla, tu sais. C'est ça, c'est pas genre un genre de va chier! Non, tu sais, si tu m'aimes pas, c'est parce que t'aimes pas ma personnalité puis c'est ça, mais t'as le droit. Mais il reste que souvent, on est plus souvent, mettons, félicité pour ce qu'on a fait, tu sais. Fait avec raison. Ça reste super, tu sais, ça reste le fun, là. On a un beau rôle, tu sais. C'est pas cave. Fait que les gens qui nous arrêtent, on prend le temps de les saluer. En tout cas, pour ma part, je prends le temps de saluer puis je prends le temps de parler parce que je me dis, oui, je me rappelle que c'était le fun d'avoir votre soutien quand je patinais, là. Fait que. Mais tu t'attendais-tu à ça? Comme tu l'avais-tu? OK, si je remporte des médailles. Parce que tu t'en vas là, bien évidemment, tu veux remporter une médaille. Là, ouais. C'est un peu ça l'objectif de la chose. Mais est-ce que tu t'es dit, OK, comment je vais gérer ce fame-là après? Ça te faisait-tu peur de te faire accoster? Ouais. Ou t'as l'air quand même assez ouverte. Puis Bobley, je pense que t'aimes ça aussi, jaser aux gens. Là. Mais tu sais, du monde qui sont plus dans leur game. Mais tu sais, on fait pas du sport pour être connu, là. Tu sais, surtout du sport amateur, du patinage de vitesse. Non, c'est pour ça. C'est un sport assez, maintenant, qui a pris beaucoup, je veux dire, de popularité avec les années. Mais au départ, c'est pas un sport qui était connu, tu sais. Fait que non, j'ai pas fait du sport pour être connu. C'est arrivé comme ça à cause des résultats que j'ai eu, oui, aux Jeux de Vancouver. Aussi parce que, bon, j'ai eu une relation avec Charles qui était le meilleur dans le côté masculin aussi. Fait que tu sais, on était comme deux têtes d'affiche pendant tellement longtemps. Mais tu sais, non, on fait pas ça pour ça. Mais après ça, on a des outils, on développe des outils. Moi, j'ai toujours été à l'aise avec les gens, j'aime ça être entourée, puis j'ai jamais eu de difficulté à m'exprimer. Mais ça restait toujours secondaire, tu sais. J'ai tout le temps dit, je veux pas que cette portion-là me dérange. Moi, je veux être bonne sur glace, c'est ce qui va faire en sorte que je vais gagner, puis que oui, ben je vais pouvoir faire la promotion de mon sport, puis en parler, puis. Mais à la base, c'était important pour moi de focusser sur ce que je faisais, puis c'était de m'entraîner. D'ailleurs, ça a porté fruit, là. Triple médaillé olympique, puis tu m'as dit que tu as gagné une autre médaille championnat. Du monde. Ouais, j'ai quelques médailles en championnat du monde. Puis ouais. Ça, c'est quoi? Ben, en gros, c'est la même affaire. Okay. T'sais, les championnats du monde, les Jeux olympiques, c'est la même compétition. En fait, c'est les mêmes adversaires. C'est juste que les olympiques viennent aux 4 ans. Okay. C'est comme notre crème, la crème, là. T'sais, nous, c'est notre coupe Stanley, là. Okay. T'as bien beau avoir 14 000 médailles en championnat du monde. Si t'as pas la médaille olympique, on dirait que t'es pas reconnu, t'sais. C'est un peu la Ligue junior majeure du Québec. Puis là, tu t'as la Coupe Stanley, c'est la médaille d'or. Ben, termes de, mettons, de prestige, là, c'est la même affaire. Okay. C'est juste que les Olympiques, comme ça vient aux 4 ans, puis nous, les championnats du monde, c'est à chaque année. Je comprends. On dirait que la compétition est moins importante. Mais un titre de championne du monde, ça veut toujours bien dire que t'es la meilleure au monde, au même titre qu'aux Olympiques, tu sais. Fait que c'est juste... intéressant, OK. Dans le fond, c'est juste dans l'historique, puis dans... Je sais pas, dans l'histoire du sport, le championnat du monde, pour nous, est moins valorisé que les Olympiques. Mais dans un sens, c'est...
pratiquement c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Ouais. Puis quand, t'as commencé à quel âge? Bon, pour expliquer aux gens, bon, t'es patineuse de vitesse. Ouais. Puis c'est quelle discipline que t'as gagné? T'as gagné. Explique-moi tout ça, là, pour ceux qui te connaissent pas, là. Bon, parce qu'il y a du monde qui nous écoute. Mais Chris, tout le monde te connaît. Si, c'était pas mal mondial. J'allais dire, il y a du monde qui nous écoute de la France, mais ils ont écouté. Ah oui, de la France. Salut, Thibaut. Je connais des Français. Ben, ce qu'on regarde. On prend une minute. Vas-y, je vais aller pisser. Thibaut, faut connaître. Salut, mon cher. C'est mon ami. Salut, Thibaut. Ouais, non, mais en fait, je suis triple médaille olympique. Deux fois à Vancouver, donc une individuelle aux 500 mètres et une en équipe. Et je suis médaillée à Sochi, aussi au relais. C'est quoi voilà. Le plus stressant? Ah! L'épreuve en équipe est stressante, mais elle est vraiment le fun. L'affaire, c'est que, tu sais, quand moi, je patine toute seule dans mes distances individuelles, je sais très bien qu'est-ce que j'ai à faire, tu sais. Puis je le sais que je vais donner mon 110%. Tandis que dans l'épreuve en équipe, tu oses penser que les filles sont toutes sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'on va toutes là à la guerre pour gagner, tu sais. Puis t'espères qu'ils sont toutes dans le même mindset que toi, c'est ça que j'allais dire, le mindset, mais tu sais pas. Fait que, tu sais, c'est tellement quelque chose qui se travaille. Tu sais, on s'entend, là, on a 4 ans, là, voire des fois 8, des fois 12 ans. Là, que moi, j'ai fait 3 Jeux olympiques avec la même fille. Là, fait que, tu sais, on avait une belle chimie puis on savait très bien où on s'en allait ensemble, tu sais. Tu le sais tout de suite si elle fait le bien ou si elle ouais. Est pas... Ouais, ouais. On est 2 fois par jour, 6 jours semaine ensemble. Là, fait que, tu sais, ces filles-là, je les connaissais comme ma famille. Tu sais, fait que c'est certain que... Ça se travaille, puis on arrive pas aux Olympiques, puis les gens nous disent « Oh mon Dieu, vous avez une belle chimie d'équipe. » Ouais, mais ça se travaille, là. T'sais, on est là tous les jours sur glace, on vit des beaux, des mauvais moments pendant toute une saison, pendant plusieurs saisons aussi, fait au moins on a ça là, mais allez-vous déjeuner au Cora des fois, tu sais, juste comme genre genre sortir avec mes chums de filles. C'est drôle que tu dises Cora parce que c'est là qu'on allait. C'est pas vrai. C'est très drôle. Il y a un Cora à côté, on s'entraînait à Maurice Richard, fait que tu sais, c'est tout près du stade olympique. Ah, le Cora sur Sherbrooke. Ben oui. C'était exactement à lui que je pensais. Ah, tu vois. Fait que je sais que tu t'entraînais là. My God, man, je suis mesmer, tabarnak. Par la fin de l'épisode, elle va avoir oublié le chiffre 7. Mais fait que ouais, Cora, on y allait. Puis on faisait surtout aussi des... Ben, pas avec tout. On s'entend, là. C'est-à-dire, c'est la même chose pour n'importe quel domaine. Toi aussi, là, dans le monde que t'es, là. C'est pas vrai que tout le monde, c'était... On déjeune pas aux mêmes heures, je pense. Aussi? Je pense que... Toi, d'ailleurs, tu déjeunes même pas. Moi, j'allais... Tu vas être direct au dîner. Moi, je fais la... J'ai la même diète que GSP. Pour vrai, non, parce que j'ai oublié de manger des fois, mais après ça, j'ai écouté GSP dans un podcast, j'ai fait « Colin, on a la même diète. Ah, » Il ben... dit qu'il fait un jeûne intermittent. Bon, là, on starte pas là-dessus. OK, parfait. Ben, écoute, moi, non, j'ai même pas le goût de parler de ça. Mais, bref. Non, mais, tu sais, tu comprends, c'est pas vrai qu'on est amis avec tout le monde, là. Fait que, tu sais, il y avait certaines filles, certains gars avec qui je m'entendais plus. Fait que, tu sais, souvent, on avait des petits regroupements, des petits soupers ensemble. Où, mais, tu sais, c'est faux qu'on était tout le temps, genre, waouh, gros team spirit. Mais ça peut nuire si t'as pas des bonnes relations avec tes coéquipières ou coéquipiers, tu sais, je veux dire. Ben oui. Moi, fait que t'essayais-tu de forcer la chose de, hey, on s'entend pas bien, on le sait les deux. Mm-hmm. On va aller au Laser Quest. Non, mais tu sais, je veux dire, on va se. Mais ça fait pas mal, tu sais, avec, hein, t'es mort, hein? Toi, tu règles tes problèmes pour ça? Moi, je suis très dans la nostalgie, puis je suis très ludique. J'ai jamais pensé à ça, ça aurait pu être génial. Non, mais la communication, c'est la base, là. Tu l'as dit, c'est sûr que on sait pas de cachette, là, tu sais, je veux dire, on le sait très bien qu'il y a des fois des tempéraments qui sont moins, qui fitent moins bien ensemble, mais le but, en fait, c'est toujours de garder en tête que j'ai besoin de chacune de mes filles pour m'entraîner. Puis souvent, ben les filles qui vont faire l'équipe avec moi, ben si je la veux la médaille, elle aussi, elle va l'avoir. Fait que maintenant, il faut que tu mettes tes petits plis de côté puis que tu fasses, ouais. On va travailler ensemble. Si moi, je bûche, toi, tu bûches, là. Exactement. Puis moi, je m'en fous que je comprends pas pourquoi tu fais ça dans ta maison, mais je m'en sac parce que ça a glace, ça a aucun impact sur moi. C'est t'sais. Ça. Fait que t'essaies de ramener ça au... Fais ce que tu veux, mais ça a glace quand je suis là puis que ça peut me On me va donner notre 100%. Ah, c'est pis... Une dernière question, après ça, j'aimerais ça qu'on commence de toi bébé là, tu sais, ouais, à savoir ouais. Comment pourquoi de toi bébé. Ben non, mais je, parfait. On parlera pas de toi à 9 mois là, de, c'est quoi tes non, premiers non, mais mots, je mais je peux te dire je suis née à quelle date, à l'heure, comment je pesais, je sais tout ça. J'adore ça, j'aime vraiment. Ça va être notre pub, Chuck. Ouais, on va le mettre sa petite fiche de bébé. Ça va vendre. Parfait. Est-ce que ça fait le party un athlète, je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, c'est important tu sais mettons chez les humoristes quand on est connu pour faire le party aussi quand même pas pire mais dans le sens que quand on vit des gros moments de stress, à un moment donné, ouais. Faut prendre des journées off, des journées pour nous, puis bien évidemment, souvent, on s'en fait à la fête. Est-ce qu'un athlète, c'est quoi vous faites dans vos temps off, mettons, là? Quand il y a un gros stress, est-ce que vous pouvez aller, mettons, je sais pas, moi, boire du Jägermeister? On est poche un peu. On est poche. Ben parce non, c'est que, pas poche. Ben, tu sais, je veux dire, je veux pas généraliser, là, mais dans mon monde à moi, c'est que l'entraînement est tellement difficile, puis je suis pas en train de dire que mon sport est dur, est plus dur que d'autres, mais dans le sens que,
notre sport à nous est quand même un sport qui est physiquement demandant, tu sais. Fait que quand on est brûlé, on est brûlé, là. Fait que quand on a une semaine de vacances, on n'a pas envie d'aller au beach club puis genre complètement se péter à la fraise, tu comprends? Parce que anyway, ça serait pas ça serait pas plaisant parce qu'on est de même déjà. Ouais. L'alcool nous rentre dedans de même, on serait pas capable de toffer puis on traînerait une fatigue pendant, tu sais, deux semaines au lieu de le traîner sur trois jours. Ouais, tu roules sur l'énergie que t'as pas. C'est ça. Fait que l'objectif dans nos semaines de récupération, c'est de récupérer. Fait que souvent, on fait absolument rien. Tu sais, moi, je descendais au lac Saint-Jean dans ma famille, au chalet, tu te vides la tête, puis on est pas mal toutes dans ce genre-là, mais on va se permettre une petite sangria. Ce qu'on se permettait pas à l'occasion, tu comprends? Pas plus je que deux doigts. Ça a l'air super poche, Chuck. Deux ans. À 52 ans, son vrai nom, c'est Ginette. Oh! Elle est délicieuse, la sangria! Elle est délicieuse! Ben, oh, une petite choche maison, je te donne la recette, j'ai la recette du lac Saint-Jean. Ben voyons! Ou une petite pépito, t'achètes ça au super sangria? Ouais. Oh, mais attends, tu l'as fait toi-même! Ah, jamais, j'ai pas le temps. Ah. Non, je prends pas le temps. Ouais, c'est ça. La vie est trop courte pour se faire une sangria, pour vrai. Moi, c'est... Non, il m'a dit rien qu'on fait! Ça va être une autre quote, là. La vie est trop courte pour... Mais ok, cool. Ben moi, ça, je me rends compte que c'est ça aussi qu'il faut que je fasse là, quand j'ai des congés, de pas aller me péter à la face. Mais j'ai posé cette question-là parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans la Ligue nationale de hockey où il y a des hosties de party animals là, qui se la pètent puis que le lendemain, justement... ils ont une game, puis ça me fascine. Fait que je voulais savoir un peu si c'était fait que vous êtes discipliné. On est discipliné, ben oui. Mais là, partons du début. Là. Allons-y. Parce que là, je sais que t'es à la retraite. Là, je veux qu'on rentre, on parte, là, savoir c'est quoi ton parcours. Après ça, on parlera de retraite. Parfait. Vas-y. Ben moi, je suis native de Saint-Félicien, au lac Saint-Jean. On les salue. Salut ma gang du lac. Ça, c'est proche de quoi? Genre, ça, c'est le lac, c'est pas... C'est le lac. Il y a une gare de clocher entre le lac puis... Le Saguenay. Mais nous, on n'est pas là-dedans. C'est les plus vieilles générations. Mais par exemple, si tu me dis « je viens du Saguenay, je vais te reprendre », sans être nécessairement offusqué, mais je vais te dire « moi, je viens du lac ». Parce que c'est deux choses complètement différentes. Hein? Il y a le lac Saint-Jean qui se déverse dans le Saguenay, qui se déverse dans le fleuve. Okay. Fait que ceux qui habitent au Saguenay sont ici, puis le lac, c'est ici. Fait que tu sais, c'est à deux places du 5. C'est à une heure de route. Ah ben ouais, facilement. Moi, la Chicoutimi ou la baie, ça me prend deux heures. Hey, c'est pas une joke, mon cul. C'est quand même loin. C'est pas loin en termes de kilomètres. C'est juste que tu traverses plein de villes, de villages, tu roules 50. C'est pas une éternité, elle est là. Mais moi, en même temps, si quelqu'un me dit « Ah, tu viens ok, t'habites dans la région de Montréal, tu viens de Laval », je le punch dans la gorge, tu sais. Ben non, c'est une joke. Non, mais tu comprends. Tu vas rectifier, tu vas dire « Ben non, je viens d'Ottawa ». Tu comprends, mais c'est la même chose. Je me sens pas offusquée. Mais bref, fait que ouais, Saint-Félicien, c'est proche de Roberval. Ah, oh, comme la toune! J'ai jamais été, mais de Roberval. Oui. Okay, c'est là où il y a la traversée internationale du lac Saint-Jean. OK. Je te parle de plein d'affaires sportives que tu ne sais pas du tout. Il n'y a pas de problème. Merci, Chuck, de rire en arrière. Elle l'a vu dans mes yeux qu'il y avait un vide. Hein, t'as vu, hein? Je le lis. Le screensaver est arrivé. Là, les bords restent ici. Je le lis en toi. En gros, c'est ça. J'avais 10 ans quand j'ai commencé. Le sport est arrivé complètement par hasard. Je ne connaissais pas ça du tout, le passage à vitesse. OK, mais attends un peu. Okay, y a-tu comme un gourou, un vieux sage qui est arrivé avec une paire de bottines? Regarde, tu vas patiner. A descendu tel un ange. Ma voisine était la présidente du club. Puis elle est venue cogner. Le club allait pas super bien à l'époque. Ils perdaient des membres. Ouais, pour qu'elle vienne faire du porte-à-porte, j'imagine qu'ils sont pas dans leur prime time. Là. Tu comprends, là. Tu comprends. Veux-tu patiner? Il a été à patiner. Mais c'est exactement ça qui s'est passé. Puis nous, on est quatre enfants à la maison. Fait que là, ma voisine a fait crime. Si les singes l'embarquent, je me fais un club. C'est clair. Fait que on est allé, on a embarqué les quatre enfants, puis on a été vraiment longtemps à patiner, puis finalement je suis la seule qui est restée puis qui est allée. Frère et sœur ou juste frère? J'ai deux sœurs, un frère. OK. Plus vieille, plus jeune. J'ai une grande sœur, une petite sœur, un petit frère. Je suis la deuxième. Wow. Ouais. OK. Ouais, fait puis les autres ils ont pas continué là, ça a pas perduré là, leur carrière de ils ont pas mal arrêté aux mêmes endroits, c'est-à-dire quand t'arrives à l'âge genre 17 ans, secondaire 5, là, le choix des études, tout ça, mes deux sœurs ont arrêté pas mal au même moment, mon petit frère un peu avant, mais tu sais, on est tous des sportifs dans la famille, là, ah ouais? On a tout fait quand on était jeunes, et puis encore maintenant, on fait de tout, là, je veux dire, on est actifs. Tes parents sont actifs aussi, ils vous ont inculqué ça? Mes parents étaient pas tant actifs. En fait, tant sportif, il était actif, mais justement, je pense qu'ils nous ont donné qu'est-ce qu'eux n'ont pas eu la chance d'avoir, c'est-à-dire
de nous apprendre à nager, de nous apprendre à jouer avec un ballon, de tu sais, parce que eux, ils avaient pas ça, pas ces ressources-là quand ils étaient jeunes, tu sais, parce que bon, ils venaient de familles, ben, ça, plus pauvres que maintenant, tu sais. Fait que c'était comme nous, on va pas empêcher nos enfants de faire du sport, tu sais. Puis ben, on est quand même des enfants qui ont du gaz, là, tu sais. On doit être assis sur un divan, ça se faisait, là, mais pas pendant 4 jours de suite, tu sais. OK. Fait que ça, fallait en faire prendre les activités. Tes parents, des fois, étaient-tu à bout ou. Allez jouer dehors, là. Écoute, moi, c'est la plus belle chose, puis j'adore ça le dire, là. Mes parents, on le demande des fois, tu sais, si c'était à recommencer, est-ce que vous feriez la même chose? Parce que mes parents, ils ont eu tort, là. Ils ont eu entre 29 et 38 ans, là. C'est parfait. Fait que, tu sais, mais tu sais, c'est quand même épuisant quand t'as un poupon à 39 ans, là, tu sais. Ouais, j'avoue. Puis ma mère et mon père, ils disent, ben, si on avait recommencé, on en aurait un cinquième. Fait que, tu sais, c'est super beau. Fait que mes parents se sont dédiés à nous, tu sais, de corps et âme. Puis encore maintenant, mes parents sont retraités, puis on est encore leur plus belle fierté, puis c'est beau à voir. Wow! Ouais, on les salue, c'est quoi leur nom? Gaétan et Francine, je les plug à peu près partout. Allô Gaétan, allô Francine! On ira prendre une bière au lac. On t'invite, Alex. Une grosse quille, 50. Hey, ça tinque au c'est lac! Quoi, c'est quoi votre bière? Moi, je suis un gros fan de Red Champagne, mais ça, c'est pas au lac. Hein. Chris, que c'est BS. Ben oui! Attends, mon gars, t'es turbo là, le Red. Puis pourquoi c'est pas du. Redis-les, ouais! Du Red Champagne. Ouais, c'est du Red Champagne. Ah, excuse-moi, j'ai l'air droit. Mais oui, ça vient de chez nous. C'est ça! J'en amènerai une caisse la prochaine fois! Ben, calé! Hey, tu rimes à chaque fois que je vais au Saguenay. Tu ramènes ça? On me demande toujours d'en ramener parce que c'est juste là qu'ils en vendent. Ben oui! Mm-hmm. Peut-être parce que les autres veulent rien savoir, mais pourtant, c'est excellent. C'est Red Champagne, gardez ça en tête. Voilà. Mais est-ce que t'as déjà été chez Pauline? Non. Ah! C'est où, Pauline? Je pense que c'est pas en même place. Mais parce que tu sais, il y a tellement de petits commerces de même. Non, mais il faut que tu connaisses Gigi, Pauline. J'ai... Attends, c'est où? C'est Jonquière. C'est loin, hein? Non. Jonquière, ben pas chez Pauline. Chez Pauline à Jonquière. C'est un mini, il y a deux sièges, deux places. Tu manges des burgers, puis il y a du Red Champagne. C'est là que j'ai découvert le Red Champagne. OK. Bref, fait qu'avant, avant 10 ans. Ouais. Tu t'aspirais faire quoi? Tu sais, on a tous des petits rêves, tu sais, de. Voulais-tu être pompière, policière, je sais pas. Hey, moi, je voulais être. Mon Dieu. Moi, je voulais toutes des affaires bizarres. Dans le sens que j'ai passé par une phase où je voulais être vétérinaire, mais j'étais allergique à tous les bizarre, animaux. C'est bizarre, ça. OK. Tu comprends? Hello, la j'étais allergique à tous les animaux, tu comprends? Mais t'as un chien. J'ai un chien qui est pas allergène, puis c'est la vie. Mais c'est pas la bave? Moi, je suis allergique à la bave. Oui, c'est ça. Fait que si tu lèches. Ben, c'est pas si pire. Ah, moi, ça me pique. Faut faire attention, mais je me lave constamment. Je veux pas qu'il me lèche, là. Puis je dors pas avec mon chien parce que. OK, tu lui dis, lèche-moi pas. Ben, quand il me lèche, comme nul. J'ai dit quand même. Hey, t'as-tu. Nien. Hey, le message passe, hein. Du moment, on veut pas que tu fasses sortir, non. Fais c'est pas ça. OK. Fait que t'es allergique à. Fait que tu cancelles le projet d'avoir. Ben oui. Ensuite, j'ai voulu être dentiste, mais moi, me laver les dents, ça m'écœure. Je peux pas me regarder, je peux pas regarder quelqu'un se laver les dents. Fait que je me disais, c'est pas possible. Mais tabarnak, comment ton cerveau fonctionne? Tu voulais faire tout ce que tu détestes. Tu comprends? Ouais. Mais je pense que c'était une façon peut-être de me challenger, de faire ah, sors de ta zone, fille. Mais finalement. Puis là, tu te forçais-tu le matin? Ah, oh, ça m'écœure, mais je vais me regarder. Je peux pas me regarder. Ah, non. Tu peux pas te regarder encore aujourd'hui? Ça m'écœure, mon gars. T'as regardé te brosser les dents? Ah! C'est. Mais qu'est-ce. Ben attends, mais ta bouche est fermée? Non, mais ça m'écœure. Mais qu'est-ce qui t'écœure? Je sais pas, on a de la pâte à dents, puis... Ça m'écœure. Ah oui, ça m'écœure vraiment beaucoup. Mais il y a un peu d'écume, mais je veux dire. Ah! Dis pas ce mot-là! Elle dit que ça a pas ta dent. Ça m'écœure! Ça... Garde! Mais regarde, non, mais à chacun. Ben oui, c'est pas. Moi, ça me dérange pas, genre, de ramasser de la merde, mais quand tu te rends, brosses les dents, ça m'écœure. OK, fait que là. Chacun ses combos. Fait que t'es pas devenu dentiste? Non. Non, vraiment pas. Puis après ça, ben. Fait qu'attends, quelqu'un qui se brosse les. Là, moi, reviens-nous, Alex! OK, après ça, on ferme la parenthèse. OK! Mais moi, le monde, ça, par contre, ça m'écœure, là, du plus profond de mon être. Quelqu'un, là, qui se promène dans la maison en se brossant les dents, puis en continuant de te parler. Oui, c'est ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est. Mais c'est des tout... Arrête! OK, parfait, j'arrête. Tout ça, c'est dégueulasse! Oh. Tout ça, les gens qui vont aussi fucking trop cru! Oh non! Pourquoi tu dois te brosser les amygdales? Pourquoi? Genre, pourquoi? C'est. Quand on lève tout du. Puis ça va être correct, là! Prends le temps en note, c'est 18 minutes, ça va être notre pub. C'est ça pas va être la pub. Possible, ça! Donc, Marianne Saint-Gelais, dentiste, ça, c'est non. Ah non, c'est non. Ah non. Après ça, tu voulais... Mais après, ce qui s'est passé, c'est que tu commences à aller à l'école, puis tu fais tes trucs, puis je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas une bolée, là. C'est ma prochaine question. T'étais pas bonne? Mettons, 4,36, mais oublie ça, là, ma chimie faisait... J'étais pas là, pantoute, là. Fait que j'étais comme, OK, il va falloir qu'on redescende dans la société. T'étais-tu hyperactive? Ma mère m'appelait son coup de vent. Je pense que c'est peut-être une façon...
bon, je suis pas en train de dire que maman était dans le déni, là, mais je pense pas que j'étais une TDAH, là, mais j'avais beaucoup d'énergie. Mm-hmm. Mais j'étais capable d'être assis, d'être concentré, puis ça m'empêchait pas de faire des choses. Ah, oh, t'étais un enfant normal, dans le fond. J'étais un enfant normal qui... Oui, exactement. Mais qui avait de l'énergie. OK. J'avais une belle joie de vivre. Hop, la vie. Ben encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. J'avais une joie de vivre, elle dit avec le gros sourire. C'est pas parti, ma chum. Non, t'as raison. Puis là, après le dentiste, il y avait tout d'autres rêves. Là, le patin est arrivé. C'était tough, les rêves. Okay. Ah ouais? Non, mais dans le sens que, tu sais, je ne savais plus qu'est-ce que je voulais faire. Tu sais, je me demandais qu'est-ce que je pourrais faire. J'avais pensé être. Oh mon Dieu, travailleuse sociale. OK. J'aimais ça, parce que j'aime les gens, j'aime la proximité, j'ai une belle écoute. Ça, j'aimais ça. Ben là, t'aimerais-tu faire ça aujourd'hui? Ben, tu sais, c'est pas écarté des plans non plus, là, tu sais. Puis, tu sais, j'ai travaillé avec un préparateur mental pendant vraiment longtemps dans ma. Ben, pendant un petit bout dans ma carrière, puis je me disais, my God, c'est hot d'être ça aussi, tu sais. Hey, ça, ben, là, Colin, t'es pas loin de la travailleuse sociale, ouais. T'es pas loin de justement du psychologue, là, le préparatif. Mon ostéopathe, il s'est parti comme. Sa propre agence où justement il y a quelqu'un là que c'est mais c'est fort ça là. Puis là moi je vais rencontrer la fille qui travaille pour lui puis c'est du préparatif mental là, ça c'est fort en vue de genre du biofeedback. Du quoi? Du biofeedback. C'est quoi ça? Bon, j'en parlerai. Non, mais ça sert à rien que je te parle de ça si tu sais pas c'est quoi. Mais ben tu non, demanderas. Ben voyons, si non, mais attends, tu demanderas parce que si tu vas travailler de ta tête oui. Du biofeedback. Mais tu peux-tu m'expliquer ça rapidement? Non, je peux pas, c'est trop complexe. OK. Mais ça doit être ça. Dans le sens que moi je veux avoir de quelqu'un qui m'aide à avoir tout le temps, quand je vais faire un show, je mets tel type de musique puis ça me met dans un mindset. Ça va te rentrer dans une zone. T'sais? C'est très fort. Fait que c'est ça que je veux. Ouais. Mais tu serais bonne. J'imagine que tu as travaillé ça. Fait que mais t'sais, t'aimes les gens. Faire du one-on-one avec quelqu'un, là, t'sais, genre de. Puis de l'amener, je trouve ça tough. T'sais, je trouve que c'est comme une autre qualité qu'il faut que t'aies. T'sais, moi, j'ai la qualité de genre d'être assis, d'être posé, de t'écouter, puis de genre à la limite t'amener des ressources, là, t'sais. Mais d'amener la personne. Ouais, ça c'est hot là. Mais tu serais capable? Ben, je sais pas. Ben, faudrait l'essayer. Bagarre. Écrivez-nous. Non, mais on essaie, on part ton agence. Non, mais j'ai pas cette expertise-là, faut aller chercher ces connaissances-là. Mais voyons, fait combien d'années tu fais les Olympiques? Ouais, mais attends, là, attends! Ça marche déjà, tu sais que ça n'a pas rapport. Je peux pas plus être médecin, même si, man, on a touché mon corps à longueur de journée, ouais, tu comprends? Oui. Voilà. C'est vrai. Alors! Là, à 10 ans, t'as reçu, là. T'as reçu tes patins en or, là. Oui. Pas en or à ce moment-là, là, j'avais mal aux pieds. Tu jouais-tu avec des bowers, genre des patins de gars, comme c'était des patins de vitesse des gens partant? Tu sais, moi, j'ai fait du patin, je dirais, de même, là. T'sais, on avait une patinoire pas loin de la maison, on avait nos patins de hockey, on allait patiner, là, t'sais, patinage libre. Mais non, au moment où j'ai commencé à 10 ans, j'ai rapidement eu des patins longue piste. Patins de vitesse dans les pieds, là, t'sais. Puis qu'est-ce qui s'est passé à 10 ans, la première fois que t'embarques sur glace, t'as-tu fait Oh my god, c'est mon rêve! Ou t'as fait arc? Tu sais, c'est pour ça que j'aime ça raconter mon parcours. Là. J'ai pas un parcours qui est normal. Tu sais, dans le sens que moi, j'ai jamais rêvé des Jeux. J'ai jamais aspiré à être une championne. Puis même à la toute fin de ma carrière, ce qui me drivait, c'était d'avoir du fun avec mes filles. Tu sais. Puis ça a commencé comme ça à 10 ans, là, quand j'ai embarqué. Le choc que j'ai eu, là, c'était « Oh mon Dieu, c'est nice, j'ai des amis, puis comme je patine. » Tu sais. Mais c'est ça, je pense, le mindset à avoir, non? Je pense aussi. Là, parce que les gens qui réussissent dans la vie, c'est souvent, encore pour revenir au monde artistique, parce que c'est ça que je connais, mm-hmm. C'est des gens qui ont du fun. Ben oui. C'est des gens qui sont pas trop dans l'anxiété de performance, qui sont dans le moment présent, fait mm-hmm. « Hey, on va faire un show! Ben » oui. Tandis que l'autre fait « Ah, si tu vas être bon? » Il est pas bon. Mais l'autre affaire aussi, c'est que t'as fait raison, là. Mais l'autre affaire, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va te driver? Si c'est le plaisir qui te drive, il va jamais fade away, ce plaisir-là. Mm. Mais si t'es drivé par la performance, ben, à un moment donné, ça va être quoi? Tu sais, quand t'as fini premier, là, pis tu l'as ton billet d'or, ou tu l'as ton, qu'est-ce que tu peux aller chercher d'autre? Rien. Fait qu'à un moment donné, t'es drivé par quoi? T'es drivé par rien, pis t'es comme, ben là, c'est ta chute, pis bye. Tandis que quand t'as du plaisir, pis c'est ça qui te motive, ben, t'as bien beau gagner, finir deuxième, gagner pendant 20 ans, c'est pas ça qui te fait, parce que non, parce que tu vis puis tu travailles pour la reconnaissance. Exactement. Là, tu travailles pas pour ça. Si t'as plus de reconnaissance, c'est la dépression. Mm-hmm. Souvent, tu le vois aussi, les joueurs de hockey, là, y a plein de documentaires sur Netflix. 2 ans après, dépression totale. C'est tellement normal, là. Je veux dire, moi, je le sais, là. J'ai vécu ma transition, puis je le comprends, là. On est vénérés, là.
Puis moi, j'étais un sport amateur. Là. Un sport amateur, on me connaissait pas tant que ça. On n'était pas tant nulle part. Les sports professionnels, là, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de spécialistes, c'est beaucoup, beaucoup d'attention. Puis du jour au lendemain, ben il faut que tu fasses ta place, tu sais. Par toi-même. Fait que ouais, c'est déstabilisant. Tu prends ta retraite à début trentaine, 35 ans, là. Ouais. T'es jeune, là. Puis on le sait. C'est ça qui est fou. C'est comme si toi, là, tu le savais, là, qu'à un moment donné, là, t'aimes ça être humoriste, c'est ce que t'aimes faire le plus au monde, là. Mais ça va s'arrêter. Puis tu le sais que ça va s'arrêter parce que tu peux pas faire ça toute ta vie, c'est pas possible. Je peux pas être un athlète de haut niveau toute ma vie, tu sais. Non. Fait que tu le sais que ça va s'arrêter. Mais tu peux pas penser à faire autre chose parce que sinon, tu donnes pas toutes les chances pour, tu sais, arriver à ton top, tu sais. Mais moi, je surfe plus dans la vie que. Je me dis pas, tu sais, au début, je me disais, OK, faut que j'aille mon one-man show, OK, faut que j'aille ça, faut que j'aille ça, faut que j'aille ça, puis j'étais pas heureux. Puis là, depuis que je fais comme, hey, moi, juste surfer la vague. Ouais. Depuis ce temps-là, j'ai jamais été autant dans. Puis j'ai jamais autant travaillé. Puis peut-être que dans 15 ans, je vais faire autre chose. Je vais peut-être avoir un hôtel. Voyons, c'est quoi ça, Oui. Tu pourrais... S'il te plaît, si tu te fais un hôtel, il faut que les chiens soient acceptés. Ah, ben comme au château Frontenac. Ah ouais? Ils ont tous les oiseaux exotiques, ils peuvent avoir leur petite chambre. Pardon? Ouais. Tu peux amener ton perroquet? Ouais, c'est très niché comme public, mais ça existe. Oui, fait que, oui, en effet. Si tu veux aller faire le tour du Vieux-Québec avec ton ara hyacinthe. Malheureusement, je n'ai pas de ara hyacinthe. C'est correct. J'ai un golden doodle. Ouais, c'est un bébé? Il y a 10 mois. Donc oui. J'ai essayé de calculer en âge de chien, puis je me suis rendu compte que. Non, mais ça marche loin. Pas, ça. Le clé, il y a. Pas loin de 7 ans. Ça marche pas. Ça marche pas? On peut pas faire par 7. Comment ça? Pourquoi tout le monde dit ça? Mais parce que je sais pas, mais moi, je crois pas à ça. Ah, bon, parfait. Bon. Fait que Marianne, elle croit pas aux âges de chien. Fait que là, on revient. Oui, oui. Là, tu patines, puis là, tu commences à avoir la piqûre parce que t'as du plaisir. Ben oui. Là, tu patines en groupe, là, vous êtes avec tes frères et sœurs, ou là, tu commences. Là, c'est quand que ça commence à être OK, wow, le monde commence à en parler là, dans ton petit patelin, là. Si Marianne, elle patine, là, J'étais vraiment plus vieille. Moi, dans le fond, j'ai jamais été, comme je te dis, le target, là. J'étais pas la fille à battre, puis j'étais pas non plus la fille qui disait, oh mon Dieu, Marianne, elle va aller loin, là. T'sais. Au contraire, je suis une 5e sur 5, puis c'était parfait, là. J'avais ma petite médaille de fer, puis j'étais comme, oups. De fer. Oui, parce que quand t'es 5e, t'as une médaille de fer. T'as une boule de charbon, puis avouer dans. Regarde, y a pas de problème. Mais tu sais, veux pas, je suivais quand même la cadence, puis la parade, là, tu sais. Fait que. Ça, c'était à 10 ans ou c'est encore une coupe d'année? En suivant les années. Dans le fond, là, mon pic là, où je me suis rendu compte que j'avais un potentiel puis je voulais, j'avais 16 ans. Fait que, tu sais, de 10 à 16 ans, il y a quand même eu comme 5 ans, ben quasiment 6 ans plus, là, où, mettons, j'oscillais puis je faisais ma place, mais je suivais pas mal plus mes amis que, mettons, moi, des objectifs personnels. Là. J'avais pas tant d'objectifs, je voulais pas tant percer, mais je voulais être avec mes amis, fait que je m'entraînais puis je suivais à parade. C'était comme ça. Ton centre d'achat du dimanche quand les chums de filles sont là, fait qu'on va aller les rejoindre en face du Ardennes. Ouais. Mais ça te tentait pas. Ben, pas que ça me tentait pas, c'est juste que j'avais pas. Moi, je suis pas orgueilleuse d'envie, puis j'avais pas la fibre de performer. Je l'avais pas, ça. Puis tu sais, des fois, là, ma mère, là, elle disait tout le temps, là, il me regardait patiner, puis je sortais une super de bonne couche, je faisais un dépassement à l'extérieur, je dépassais tout le monde. Puis après ça, là, je cours après, je restais en arrière, puis ma mère, elle disait, quand elle va se réveiller, elle, là, elle va être imbattable, tu sais. Mais je l'avais pas le déclic parce que je... Pas... Mais c'est jeune, ça 10 à 16, mais ça me tentait là. Pas d'être compétitive. En fait, je pense que j'avais juste pas... C'est pas dans ma nature d'être compétitive. C'est pas dans ma nature de faire ça, d'être... Attention, il va tout vous battre, tu sais. Moi, ma nature, c'est de faire, allons nous amuser. Tu sais, c'est ça. C'est comme ça que je suis dans la vie encore, okay. Tu sais. Fait que, mais à un moment donné, ben, tu l'as parce que tu fais comme, OK, ben, j'aspire à quoi? Tu fais un podium puis t'as aimé ça. T'as pris goût à faire un podium. Tu sais qu'il faut que tu travailles fort. Tu sais que, ben, c'est chacun pour soi. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, ça s'intègre. Puis, ben, je suis arrivée à 16 ans, j'ai fait ma première Coupe du Monde. J'étais allée en Hongrie, puis j'ai terminé 5e sur 500 mètres, qui est ma distance de prédilection, c'est un sprint. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, moi je m'entraîne à Saint-Félicien, je suis pas partout sur l'équipe nationale. Mais t'es en Hongrie. Puis j'étais en Hongrie, puis j'ai fini 5e, tu sais. Fait... Sur combien, 5e sur... Ben là, à ce moment-là, je sais pas comment qu'on est, là. On doit être au moins 32, là, facilement. Chris, OK. Là. Mais fait que c'est là que t'as eu le déclic de... Oui. OK, c'est là que tu t'es réveillée? J'ai eu le déclic de dire, fille, si tu veux te donner une chance, ben c'est là. Parce qu'après ça, ça repassera plus. Fait que moi, cette année-là, j'ai été invitée au Centre national pour être sur l'équipe. Fait que j'ai fini mon secondaire.
Puis je suis partie à Montréal. Fait qu'à 17 ans, j'ai quitté, j'étais allée à Montréal, puis j'ai fait, c'est ça, j'ai tranquillement suivi le programme d'entraînement. Puis, Montréal tout seul ou t'es partie avec une gang? Puis là, la gang du lac, vous étiez à Montréal ou t'es partie vraiment? On était quelques Wolf. Filles, là. Quelques okay. filles à partir fait de ton Ça n'a pas été temps. Trop tough, là. Comment t'as vécu ça, ton... Ce qui est dur, c'est de laisser nos amis, nos familles. T'sais, moi, je suis excessivement oui. proche de mes sœurs, excessivement proche de mon frère, de ma famille. Tu me dis à 17 ans en plus, là, c'est jeune. Là. C'est tôt, mais t'es prêt. T'sais, t'es prêt parce qu'anyway, il y a un changement qui se fait quand même. Parce que quand tu pars du secondaire, tu t'en vas vers un cégep, puis des fois, ça peut t'amener plus loin que la maison aussi. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. T'es prêt. Mais avant ça, moi, je pense s'arrêter, trop tôt, là, c'est certain, là. Fait que c'est ça. Fait que j'étais allée là-bas, pis tu sais, ça a été tough, mais on était quelques filles à venir du Saguenay en même temps. Fait qu'on était comme dans le même groupe d'entraînement. Pis tu sais, moi, ce qui a aidé aussi à l'époque, c'est que j'étais avec Charles. Fait que tu sais, Charles, sa mère habitait à Sainte-Julie. Fait que moi, les fins de semaine, pour décrocher, j'allais à la maison, pis il y avait la piscine. Ouais. Fait que tu sais, je décrochais vraiment beaucoup. Fait que ça m'a aidé, tu sais. Fait que Charles, tu l'as rencontré, il vient-tu du même coin que toi? Tu l'as rencontré quand il à Montréal. Il vient d'ici, lui. Il vient natif de Sainte-Julie. Fait que tu l'as rencontré quand t'es venu à 17 ans? Je l'ai rencontré avant parce qu'on a fait, j'ai fait des Coupes du Monde. Ah oui, OK. Je faisais le circuit canadien. Okay. Fait que les compétitions canadiennes, Charles était dans le circuit canadien depuis déjà plusieurs années. Okay. Là, fait que okay. On s'était côtoyés là. Fait que c'est ça. Fait que je suis pas arrivée tout nue dans un centre. Non, ça m'a vraiment aidé à. T'avais une belle base, là. Oui, à bien m'adapter. Là. OK, ouais. Cool. Puis là, à partir de 17 ans, là, ça fait de boule de neige. Ben vraiment. Vraiment. C'est à quel âge tu as fait tes premiers jeux? J'avais 19 ans. Wow, OK, deux ans après. J'avais 19 ans, mais moi, j'ai tourné 20 ans au jeu. Pour ma première médaille olympique, j'allais gagner la journée de ma fête. C'est complètement fou, là. C'est fucked up. Tu sais, ça n'a aucun rapport. Tu sais, j'en parle maintenant, puis je suis comme, je le réalisais pas dans le temps, là. Puis là, je suis comme, c'est quoi les chances que les étoiles étaient alignées, là? Comment tu vis ce moment? Comme, tu te souviens exactement du moment? Ben oui, ça se passe pas. Tu te souviens quasiment de l'odeur, j'imagine. Ben de ouais, comme... les gens, je peux fermer mes yeux, puis entendre les 14 000 personnes crier, là. Comment tu vis ça? Comment après ça, t'as-tu un down quand tu retournes chez toi, quand tu retournes dans le silence? As-tu un... Moi, je l'ai jamais eu ça. Je l'ai jamais eu autant, mettons, l'euphorie que j'ai vécue à Vancouver, qui était mes premiers jeux, puis qui étaient des jeux, je veux dire, de rêve, où j'ai fait un 10 sur 10, tu sais, un sans faute. Que là, t'es motivé, là, tu veux continuer sur cette lancée-là, puis tu dis, mon Dieu Seigneur, ça te motive à fond. Même scénario pour Sochi, tu sais, ça n'avait pas été comme je voulais, mais justement, je me disais, ben, je veux pas laisser ça de même, tu sais, je veux finir ma carrière sur une plus meilleure note que ça, tu sais. Pas parce que je veux remporter d'autres médailles, mais parce que je veux me prouver à moi que je vaux plus que ça, puis c'est pas vrai que je vais me repointer sur une glace, puis que je vais pas être optimale, tu sais. Il me manquait des éléments à Sochi, puis je voulais que ça soit plus complet à Pyeongchang, tu sais. Qu'est-ce qui te manquait? Qu'est-ce qui s'est passé à Sochi? J'avais pas de tête du tout. J'ai commencé à travailler avec mon préparateur mental après Sochi, fait qu'en 2014. OK, fait que t'avais pas de préparateur mental avant ça. Mon Dieu, moi, ouais. J'ai l'impression que c'est la première chose à avoir quand tu vas faire les jeux. Mais c'est pas parce qu'il n'avait pas, c'est parce que moi, je refusais. Je refusais d'en avoir. C'est ça, parce que... T'es orgueilleux, t'es boqué, tu dis que t'es capable de tout gérer puis que tu penses que tu peux tout gérer, mais finalement, il y a quelque chose qui te rattrape un moment donné puis c'est plus fort que toi, tu sais. Fait que... Puis qu'est-ce qui est arrivé à Sochi? T'étais comme surpassé par les événements? T'étais fatigué? Mais il y avait comme plusieurs choses. T'essayais-tu de reproduire ce que t'avais fait... Tu m'as dit ton 10 sur 10, t'essayais-tu de... Puis tu veux pas... Oui, il y avait ça, là, c'est clair, là. Tu sais, dans le sens que... En allant vers les 4 ans qui ont suivi entre Vancouver et Sochi, moi, j'ai fait pratiquement un sans faute sur 500 mètres. Là. Je gagnais tous les 500, j'ai été championne de la Coupe du Monde. Je gagnais des médailles sur chacune des distances que je fais. J'étais vraiment en feu, là. Ça allait vraiment bien. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, Sochi, pour moi, c'était comme mes jeux où j'allais exceller, tu sais. J'ai perdu mon entraîneur comme 2 ans avant les jeux. C'est un autre entraîneur qui a pris sa place, puis moi j'ai boqué, tu sais. Puis là j'aurais comment dû... ça se perd un entraîneur? Il a pris sa retraite, ça marche. Il est parti pour un autre pays. Parce que justement Sébastien était excessivement bon avec nous les filles, on remportait des. Il est parti. Il est canadien. Il était français à la base. Okay. Il est venu au Canada en 2007. Puis c'est ça, il a été repêché. Les Russes sont allés le chercher parce que il faisait de la job. Puis attends. Ouais. Il y a un autre pays comme ça là. Fonctionne comme ça, hein? Il va pas.
il va pas aider la France, genre. Il va pas aider, genre. Ben, il avait travaillé pour la France avant, mais après ça, tu sais, tu te promènes, veux pas, parce que, tu sais, des fois, il y a des postes qui s'ouvrent, tu veux aller ailleurs, tu veux. Fait que c'est l'argent, c'est un peu ben, comme un trade. C'est l'argent, mais c'est aussi le défi. T'sais, Sébastien, il carbure beaucoup à ça, tu sais, à développer les jeunes athlètes. Fait que okay. Nous, quand, en 2007, c'était une équipe jeune, tu sais, on était plusieurs d'arriver d'un peu partout à espérer à quelque chose. Là, quand il est parti, vous aviez fait vos preuves. Ça faisait déjà 7 ans qu'on était ensemble. Okay. Fait que, tu sais, il y avait déjà, fait que lui, il voyait plus comment il pouvait nous amener à un autre niveau. Mm-hmm. Mais en même temps, il voulait pas s'en aller parce qu'il nous adorait. Mais tu sais, la force des choses a fait qu'il est parti en Russie pendant quelques années. Fait que ça chamboule quand même 7 ans avec le même coach. Le coach part, là, le nouveau coach arrive, là, tu dis que ça. Mais c'est moi aussi, là. Tu sais, moi, j'étais boquée, j'avais pas envie, je voulais que ce soit Sébastien, rien d'autre. Fait que ça a fait que j'avais des issues mentales. Puis je voulais pas les travailler parce que je me disais, ah, non, je vais bien, puis je vais gérer. Mais finalement, on a un problème. Fait que j'étais arrivée aux Olympiques avec aucune communication avec mon entraîneur, ce qui est, à mon sens, impossible et primordial pour moi, là. J'ai besoin d'avoir mon entraîneur. Quoi la communication? Qu'est-ce qui se passe? Mettons, t'es avec Sébastien, t'arrives aux Olympiques, puis vous vous appelez chaque matin, il t'a dit pas de coucher, c'est comment? Pas du tout. C'est vraiment juste de savoir qui est là pour moi, tu sais. Avec Seb, c'était super simple. C'est juste d'avoir une, tu sais, je veux dire, on embarque sur la glace deux fois par jour avec l'entraîneur. Ben, c'est OK, salut, comment ça va? On fait nos affaires, dadada. Tu sais, c'est juste ça. L'entraîneur en courte piste a quand même la responsabilité de à peu près 7 à 8 filles. Fait que tu peux pas avoir un lien étroit avec ton entraîneur, tu sais. Mais dans le sens que, tu sais, tu peux pas être 24 sur 24 en entraîneur parce qu'il y en a 7 autres défis à gérer, ouais, ouais, ouais. Mais il reste que ça te prend quand même un lien de confiance avec ton entraîneur. Puis ça s'entretient, tu sais. Puis avec Fred, ben, j'ai juste pas donné cette chance-là, tu sais. Fait que, tu t'es refermé avant même d'y laisser une ouverture. Complètement. Mais tu sais, quand je te dis qu'on avait aucune communication, c'est aucune. On embarquait sur glace, on se disait même pas bon matin, là. Tu sais, c'était rien, là. Moi, je voulais pas parler avec cet homme-là, là. Est-ce que tu l'haïssais? Est-ce que vous haïssiez? Ou je l'haïssais pour aucune raison. En fait, je l'haïssais parce que j'étais fâchée contre Sébastien parce qu'il était parti, tu sais. Mais j'avais absolument rien contre Fred, là. C'était vraiment ça, là. T'as genre, ouais. T'as transféré ta haine, ouais. OK. Complètement. Fait que tu penses que c'est ça, pas mal, ben le oui. moteur de la chose à ben Sochi. Ben oui, tu sais, j'avais pas de tête. Moi, je trouve ça super important d'avoir une communication avec mon entraîneur. Fait que j'avais pas ma confiance. Fait que j'étais zéro en confiance sur ce que j'allais faire. Tu le savais-tu avant même? Oui, je le savais, là. Puis si je pourrais regarder les entrevues que j'ai faites, là, puis mon Dieu, que je le vois dans mes yeux, que cette pauvre petite fille-là est en détresse, puis qu'elle a besoin de juste se faire dire que ça va bien aller, puis mais ça se passait pas là. Tu sais, c'est complètement juste mes jambes qui m'ont fait patiner à Sochi, là. Wow. Complètement. Fait que, tu sais, mais ça donne des résultats très, très médiocres, là. Puis à Sochi, comme, qu'est-ce qui s'est passé? T'es arrivé comme combienième? Mon meilleur résultat, c'est 7e au 500 mètres. OK. Fait que c'est pas. Puis on a fini 2e au relais en équipe, là. Mais individuellement, j'ai terminé 7e au 500, puis c'est mon meilleur résultat. Puis là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ben, ça va pas. Tu sacs-tu comme tu sens la glace, là, quand tu vois que tu te fais dépasser, puis que là, tout. Tu sais, souvent, les anxieux, là, moi, je suis quand même de nature anxieuse. On pense au worst case scenario tout le temps. On pense tout le temps à la pire affaire. Tu sais, c'est comme notre réflexe de survie, je sais pas trop. Ouais. Là. Fait que là, toi, sachant que déjà en partant, tu savais que ça allait sûrement pas bien se dérouler. Ouais. Et là, quand t'arrives, que la réalité touche vraiment ton pire scénario, là, tu sais, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta tête, là, quand t'es sur la glace, là? Qu'est-ce que tu te dis? Mais on dirait que t'acceptes ton sort. Ouais. Moi, j'acceptais. Parce que je me disais, fille, t'étais pas prête. Mm. Puis tu sais, you get what you deserve. Tu sais, je suis pas optimale. Puis je le sais que je suis pas optimale. Fait qu'on va donner qu'est-ce qu'on peut. On va être là. Mais en même temps, tu t'attends-tu à des miracles? Tu sais, ça va pas arriver, là. Fait que, puis tu sais, t'entretiens aussi cette idée-là. Tu sais, moi, j'entretenais l'idée que j'étais pas optimale, Mm-hmm. J'avais personne pour me dire à côté qui me disait, mais non, t'es capable, tu l'entres dans toi, ça. Puis toutes les heures que t'as fait, tu sais. C'est ça, j'avais personne pour me le dire. Fait que. Ben, Fred, il voulait-tu te le dire, tu sais, dans le sens, il était. Il aurait sûrement pu, puis c'est sûr qu'il voulait, puis il devait me regarder, puis il devait dire, mon Dieu, je suis en train de l'échapper, elle. Mais c'est ça. Puis j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça pour rebondir, là, tu sais. Puis là, en sortant de la glace à Sochi, qu'est-ce qui se passe dans ta. Comme, qu'est-ce que tu dis? Ah, je prends ma retraite. Tu, là, comme t'as dit tantôt, je peux pas finir sur cette note-là. Qu'est-ce qui se passe, là? Ben, j'ai eu un petit breakdown, là, quand on est revenu de ces jeux-là. Parce que j'ai repris l'entraînement
dans le fond, nous, on a comme on a 3 semaines de congé là, dans nos saisons, puis après ça, on recommence tout de suite. Là. On est comme 11 après les mois, jeux. Ouais, on est 11 mois par année à l'entraînement. Pendant les 3 semaines, puis je vais revenir après ça à la question, là, ouais. Puis ton breakdown. Qu'est-ce que vous faites pendant les 3 semaines? Justement, tu vas au chalet, ouais. tu vas pas au beach club. Là. Mais non, mais attends, c'est au mois de mars. Là. Fait que il y a pas d'affaire d'aller à l'été ou de. Fait que souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. On s'évade. On sort parce que. Mais là, vous fêtez. Là, vous avez le droit de fêter. Mais on fête, mais en même temps, ça nous prend une semaine de nous remettre de notre année parce qu'on est comme, puis après ça, ben, on a 2 semaines pour, OK, ouais, chiller, mais pas tant parce qu'on veut se donner 3-4 jours pour se remettre dedans parce qu'on sait que notre saison va être longue. Fait que, tu sais, on pense tout le temps trop au patin, tu sais. Fait qu'on a, c'est très rare qu'on a vraiment un moment où on se laisse complètement aller, tu sais. Parce que quand on se laisse trop aller, on se sent coupable. On est comme, oh mon Dieu, on fait le cheap. Oh my God. Oh mon Dieu, ça fait 3 jours que je bouais. Oh non. OK, je vais pas manger aujourd'hui parce que c'est déjà arrivé? C'est grave. Non, parce que j'étais trop. Ouais. My God. Ouais. C'est tough. Ouais, c'est tough. Mais là, toi, attends, là, t'es à la retraite, là. Pis tu dois trouver la vie facile. Non, mais tu sais, c'est comme un. Non, mais tabarnak, le monde qui se plaint, hein, pas eu mon 6 heures de sommeil. Ferme ta gueule! Tu sais, non, mais crime, tabarouette, ça prend une semaine de congé, ça boit ouais. 2 jours, ça angoisse. Tu sais, je veux dire, c'est comme les soldats aussi qui se préparent, là. Ouais. Mon cousin, lui, était dans les forces spéciales, tabarouette. C'est, ça, c'est spécial dans tabarouette, là. C'est une autre dynamique, là. Ouais. Mais tu sais, je veux dire. Ouais. Ils ont pas de con. Tu sais, il faut qu'ils se lèvent à 5 heures. Ils ont des fois des 3. Puis c'est la même discipline, là, je veux dire. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ça va être facile, la vie, là. Tu te lèves à 10 heures. Oui, yes. Bon, prendre facile. Un petit café. Je pense qu'on est, peut-être plus résilient face à certaines situations de la vie normale parce que, tu sais, on a tellement vécu notre. Parce qu'une partie de ma vie, je l'ai tellement vécu sur action-réaction, puis qu'il fallait vraiment que je, switch rapidement. Fait que là, je te parle de rigueur, je te parle d'énergie, je te parle pas de mental, puis tout ça. Mais... Tu sais, moi, quelqu'un qui me dit, mettons, OK, ça, là, c'est à remettre pour demain, puis il est super stressé, je suis comme, alors, chill out, là. T'sais, ta vie est pas en danger. Tu vraiment comme la pression de qui? Ta pression de Janice ici en haut qui te met un peu de pression, mais regarde. Janice. Call. Je trouve ça beau, Janice. T'as dit ça? Ben, j'adore, mais mon Dieu, que c'est atypique. Comme, as-tu écouté Janice Joplin récemment? Non, c'est parce que c'est dans Friends. La fille s'appelle Janice. J'ai jamais écouté Friends. What? Pas absolument. Moi, c'est. J'aime pas les rires en canne. Mais bref, ouais, c'est ça. Ah, parce ouais. T'as vécu. Ouais. Mais pas mal le plus haut stress. Moi, je trouve ça le fun parce que je trouve que c'est un très bel atout à avoir dans la vie, là, tu sais, parce que moi, je suis une personne qui est pas nécessairement nerveuse et anxieuse dans la vie, là. Fait que, mais il reste que j'aime avoir ça. J'aime comme avoir parce que ça me permet d'être posée puis de faire comme, OK. Moi, ça, c'est une qualité que j'ai de faire. Wow, step back, voici ce qu'il y en est. OK, voici comment qu'on peut réagir. Puis nos options, c'est ça. Fait que là, t'en choisis une immédiatement. Parce que plus vite on la choisit, plus vite on avance. Là. Fait que let's go. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a été constamment mis... Tu sais, on était constamment mis devant un mur quand on est athlète. Là. Tout le temps, parce qu'il y a bien d'affaires qui arrivent qu'on peut pas gérer. Une chute au mauvais moment, puis là, t'es comme, whoopé, je suis en commotion, puis il faut que je manque 3 semaines. C'est ça, faut que t'ailles le sang. Génial, tu sais. Là, tu peux rien faire. Là. Tout ce que tu peux faire, c'est assumer, puis faire comme, cool, je suis 3 semaines sans patiner. Merde, j'ai un championnat du monde dans 2 semaines, puis j'étais fucking en forme, puis là, ça me fait chier. Fait que tu sais, tu peux rien faire pour ça, tu sais. Ouais. Fait qu'on était constamment mis face à un mur, puis faut juste qu'on fasse, OK. Voici ce qu'il y en est. T'aimerais l'émission de Garde 24/7? Moi, je suis pas comme ça. C'est de Grey's Anatomy, genre? Ouais, mais c'est dans la vraie vie, puis tu suis des médecins. Ouh! OK, c'est là, là. C'est là, là, la caméra. Je sais pas d'ailleurs, il y a une caméra, même, dans un bloc opératoire. Le gars, il est ouvert. Cœur ouvert, puis il y a quelqu'un qui filme. Tout, ouais, ben, il cache, là, mais tu vois du sang qui se Comment t'appelles ça? De Garde 24/7. C'est-tu sur Netflix? Hein? Je pense à Télé-Québec. Je pense que tu peux l'avoir sur Télé-Québec, genre sur le web. Mais tu vois, ça m'intéresse, j'aime quand même ça. Ouais, moi, je capote, là. Pis, mais c'est exactement ça. Ouais. Tu vois le médecin qui fait, puis il y a un épisode qui est justement complication. Puis c'est genre, il tombe dans le 1% des chances. Oh, que faut que. Puis là, tu en as un là, qui a perdu, genre, 3 fois son sang. Non, faut l'enlever. Puis là, il repompe, puis là, il fait OK, plan. Ils sont rendus au plan E. De plan A, plan B, plan C. Puis sûrement comme. Tu sais, big picture, puis là, il fait... OK, là, il appelle un expert en micro-veine. Puis là, il fait, OK, je m'en viens. Là, il arrive, il fait, ouais, on va le perdre, hein, si on fait pas ça. Puis il dit, c'est risqué. Puis il dit, si on fait pas ça, il meurt. Ils l'ont fait, ils l'ont sauvé. Mais t'es fou, là! Faut que tu sois dans le... Ça a aucun sens. Mais tu tripes, ouais, mais ça, tu viens de résumer, c'est pas loin de... Déjà, tu m'as, là, je l'ai.
Non, mais c'est vrai. Fait que, ben, t'écouteras ça. Fait puis, que, tu me feras un shout-out. Ouais, très fort. Fait que, tu sais, non, on trouve pas les gens boring. On leur dit pas, genre, de fermer le boîte. Parce que, tu sais, je veux dire, on peut pas. Ce qu'on a. Tu sais, moi, non, chaque personne a sa réalité. Oui, puis je juge que ce que j'ai vécu, c'est exceptionnel. Tu comprends? Tu sais, je veux dire, c'est. Vous êtes pas beaucoup. C'est une chance qu'on a eu de le vivre. Puis ces qualités-là que j'ai développées, ben, je veux dire, c'est parce que j'ai fait ce sport-là. Puis ce métier-là pendant 18 ans, tu sais. Ouais. Fait que. C'est une chance, mais en même temps, vous avez travaillé en tabarouette, oui, là. Oui, mais reste que genre. Je travaille aussi fort. J'ai travaillé aussi fort que ben du monde que j'ai côtoyé. Puis il y a une différence entre moi qui est allé au jeu. Mm. Puis. Mais la ligne est mince, ça. Je veux dire, tout c'est le monde travaille fort. C'est t'sais. Quoi, tu penses, la ligne, là, la fine ligne là, de quelqu'un qui travaille aussi fort, puis quelqu'un fait ça de même, puis l'autre reste au même stade? C'est, moi, je pense que c'est carrément entre les deux oreilles. Ben, là. C'est sûr qu'il y a une portion mentale. Il y a une portion aussi, il ne faut pas se cacher. De la génétique. J'allais dire la génétique, là, tu sais. On est toutes faites différemment. On a toutes, tu sais, ça, c'est certain. Puis, tu sais, clairement aussi de l'engagement, du dévouement. Tu sais, je veux dire, c'est vrai que tout le monde travaille fort, puis tout le monde, je le sais, là, je me suis entraînée avec des filles pendant 12 ans, là, puis j'en ai vu des filles passer, puis on travaille tous excessivement fort, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une différence, parce que il y a une différence entre celle qui va y aller puis celle qui va pas y aller. Hmm. Puis souvent, ben ouais, ça, c'est souvent entre les deux oreilles que ça va se passer. Tu sais. Puis là, après Sochi, on était rendu là. Là, tu te dis, OK, il faut que je revienne. Tu pensais-tu peut-être prendre ta retraite? Si ça avait super bien été à Sochi, tu prenais-tu ta retraite après Sochi? T'étais rendu à quel âge? J'avais 24 ans. 24. Puis honnêtement, c'est drôle que tu dis ça parce que c'est un peu ça le call que j'avais fait. Moi, j'avais dit, en fait, j'aspirais zéro à faire des jeux dans ma tête. Puis quand je suis allée sur l'équipe nationale, moi, je voulais faire Sochi puis m'en aller. Finalement, j'ai fait Vancouver. Puis pourquoi tu voulais t'en aller? Parce que, ben, comme je te dis, j'avais pas tant d'aspiration à faire des jeux. Je me disais, si je fais des Olympiques, c'est très cool. Puis. Parce que t'as fait Vancouver, après ça, t'as fait Sochi, c'était tes deuxièmes jeux? Ouais, Sochi, c'était mes deuxièmes. Fait que deux jeux pour toi, c'est OK, ben, c'est bon. Ben, je me disais, c'est chill, tu sais. Oui, oui. Je pensais même pas en faire un, puis, tu sais, bref. Mais, tu sais, Sochi a tellement pas été comme je voulais. Puis, je me disais, c'est pas vrai que je vais avoir des remords, tu sais, je vais avoir des regrets, puis j'ai pas envie, j'aime tellement mon sport, je veux dire, c'est tellement fun ce qu'on fait, je peux pas laisser ça de même. Ouais. Puis ben, ça me mettait à 28 ans, là. Ça me mettait pas non plus excessivement vieille pour prendre une retraite, tu sais. Mais par contre, je savais que ça allait être mes derniers. Tu sais, à un moment donné, quand tu t'entraînes sur une équipe, c'est difficile de prendre aussi, là, je veux dire, plus que ce que j'avais, là. Tu sais, je veux dire, j'ai pas 18 ans, là, j'en avais 24 à ce moment-là, mais je savais que plus les années allaient avancer, ben, moins moi, j'allais popper vers le haut, là. Tu sais, j'allais en prendre, c'est sûr, mais pas mal moins que la petite de 18, là, tu sais. Okay. Fait que. Y a-tu un âge où vous vous dites où y a un spécialiste, là, de viabilité, genre, qui arrive, puis fait après 25, t'as tant pour cent de moins. Mais ça dépend. C'est quoi, genre, l'âge où que tu commences à. Souvent, notre pic pour une femme, ça va être autour de ça, 24-26, genre. Où t'es à ton summum. Ouais, on est supposé être à notre top. OK. Mais tu sais, après ça, c'est, là, s'il y a des blessures, si, tu sais, ça dépend tout le temps, là, comment ton corps réagit à l'entraînement, comment, okay. Tu sais. C'est trop difficile, il y a trop de facteurs, c'est trop vague, là, tu sais. T'as-tu vu qu'après 25, 24, tu étais plus essoufflé ou. Moi, je l'ai vu à 27-28. Tu te blessais plus souvent? Non, c'est juste que c'était plus long récupéré. Mais mettons, là, je rentrais à la maison, là, puis là, c'était écrit, on fait absolument rien. Là. Puis je traînais de la fatigue vraiment plus longtemps que mettons, à 22, à 24, à 25. Mais ça paraît, là, c'est normal, là, quand ça fait 12 ans que tu t'entraînes à ce niveau-là, ça fait 12 ans d'entraînement que tu fais. T'sais. Puis moi, j'étais une fille qui aimait s'entraîner, puis qui... Fait que j'avais des entraînements, mettons, surtout en musculation, j'avais pas le même plan que les autres filles. Là. Moi, j'étais une fille qui faisait vraiment de la musculation. Là. Fait que dans le sens que j'avais beaucoup de mouvements d'haltérophilie, on mettait beaucoup de poids sur mes bords. Et moi, j'aimais ça, j'étais une sprinteuse. Fait que j'allais générer beaucoup de vitesse, beaucoup de force. Du power lift, là. Beaucoup. OK. J'étais la seule qui avait ce programme-là. Pourquoi les autres avaient pas ça? Il me semble que, justement, tu veux une explosion, la plus grosse explosion c'est possible. C'est différent. T'sais, on était beaucoup... Puis ça, c'est bien, là. On fait beaucoup de spécifications, là, tu sais, avec les années puis avec les programmes. Fait que, tu sais, comme je te dis, moi, faire ça, ça m'aidait puis ça générait des gains. Mais c'est pas chez toutes les filles que ça générait des gains. Fait que pourquoi faire ça si ça en génère pas, tu sais? Okay. Fait que c'est beaucoup ça. Fait que. Je comprends. Fait que là, tu dis assez erreur au début. Ben oui. On va faire un planning. OK, là, on voit que t'as plus mal au bassin souvent si tu lèves. OK, c'est exactement ça. Et toi, ta génétique. OK. Il y a des filles qui se blessaient. Fait qu'à un moment donné, ça sert à rien de lui mettre de l'eau sur le dos. Crime, ils seront pas capables de le faire puis ils vont se blesser. Fait qu'on va trouver un autre exercice qui fait à peu près la même affaire. Puis c'est tout, là, tu sais. Fait que c'est exactement ça qui se passait. Puis ben, moi, je suis dans aussi de. On était comme
deux filles, surtout à la fin, là, quand je te dis ça, là, à la fin de ma carrière, on était deux filles que ça faisait, on avait fait trois cycles olympiques ensemble. Fait que, tu sais, on avait comme vraiment suivi le même programme avec le même préparateur physique. Fait que ça faisait qu'on avait un bon load. Fait que ça fait que, tu sais, on est plus capable d'en prendre aussi parce que on s'est bien préparé quand on était plus jeune. Quand j'avais 17 ans, on m'a bien préparé. Fait qu'avec les années, j'ai accumulé puis j'étais encore capable, tu sais. Puis c'est encore pour ça que maintenant, je fais de l'entraînement, je fais du crossfit puis je me surprends moi-même. Je suis comme, mon Dieu, j'étais encore capable d'en prendre, mais mon corps a toujours été bien préparé. Fait que... Puis à 17 ans, c'est aussi des années charnières là, pour le corps. Oui. Le fait de faire attention puis de bien faire les choses. T'sais. C'est ça. Fait que quand une fille arrive à 23 ans sur une équipe nationale, c'est différent. On peut pas l'amener de la même façon. Elle a une maturité que déjà. Fait que il faut. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de personnalisation dans les dernières années. Fait que ça faisait que je me retrouvais à avoir un plan qui était complètement différent des autres. Fait que. Mais là, à la fin, je le sentais là. Ah ouais, hein? J'étais fatiguée. Je le disais souvent. Comme là, on dirait que je suis plus fatiguée. Là, à la fin, on parle de juste avant tes derniers jeux de Pyeongchang. Pyeongchang. Yeah! Alex, bravo! Vas-tu le podium? Avec ben, moi, ça! Avoir su, j'ai rendu ma médaille, on t'aurait mis ça dans le cou. Ah, comment ça, j'ai pas pensé? Ben oui, pourquoi moi, j'ai pas pensé les amener? Oh, je suis donc bien déçue! Pas grave. Faudra qu'on s'envoie. On te réinvitera. Ben oui, on a des deuxièmes heures. Tu viendras pour une deuxième heure. Puis on parlera des médailles. C'est fait avec quel métaux. Puis t'es amené un spécialiste, un joaillier. Hey, à quel point on va pas faire c'est ça? C'est-tu plate, hein? Fait que là, on a mis des... On s'en collier, c'est super. Mais est-ce que t'es gardes dans un coffre-fort? Oh, à quel point, mon gars, tu serais gêné de où sont mes médailles, là? Ben là, elles sont pas... sont pas accrochés genre en arrière de ta porte avec ben non, un rack à souliers. Ben non, mais ils sont un peu cachés, genre. Mais c'est parfait. Ben, pas parce que je veux... T'sais, pas parce que j'ai peur de me faire voler, juste parce que j'ai pas envie de les exposer, t'sais. Non, c'est ça, tu veux pas... Non. Ben, t'sais, le monde qui t'arrive chez quelqu'un, pis il y a genre tous ses oliviers ou ses jutras, pis... T'sais, c'est la première chose que tu vois, c'est comme... Ouais, moi, je suis pas de ce type-là. Ils sont intégrés dans mon décor, mais on les voit pas. OK, ah! Fait que dans le fond, ils sont dans une boîte! Ils sont dans une... Mais ils sont pas encadrés quelque part. Non, non, non. Ils sont dans une boîte. Oui. Est-ce que des fois, t'es prends et t'es frottes genre sur toi avant le couchant? Mais qu'est-ce que c'est ça? Attends, mais non, mais moi, des fois, genre une journée que ça va pas, là, que j'ai tes médailles. Non, mais attends, là, non, non. Non? Je ferais pas ça moi non plus, là. Mais oh mon Dieu, oh! À quel point je fais ça? Des fois, astille que c'est loser, là. Vas-y. Si j'ai pas une bonne journée, des fois, je prends un petit char. Puis je le mets pas loin de mon lit, je regarde le char. Chuck! Non, pas celle-là, je m'en calisse. Oh shit! Attention avec tes. Non, mais. Bref. Mais jamais tes sorts. Ben oui, mais non. OK. Je les amène dans les événements parce que je veux que les gens les voient. Puis moi, je suis aucunement. Comme aujourd'hui. Je suis attachée. Comme aujourd'hui. Je les amène aux événements pour que les gens les voient. Mais là, je suis vraiment désolée, j'ai vraiment pas pensé. C'est pas grave pour vrai, c'est pas grave. Mais tu sais, je suis pas attachée à mes médailles dans le sens que ça me dérange pas que tu la prennes, que tu la mettes dans ton cou. T'sais, pour moi, c'est un moment que moi, j'étais privée léger, je l'ai eu sur le podium, hein, puis après ça, ben, le moment il est vécu. Puis c'est pas ça qui, dans non, le sens, c'est le. Oui, c'est ça. Si ta paire, il t'en rechappe une, je veux dire. Oui, bon, là, c'est sûr que ça serait quand même plate, mais. On va te dire. Hey, t'oublies ça, tu sais. On a retrouvé une médaille d'argent, c'était au Madrid. Oh, en face Dieu. Du Saint-Hubert Express, voyons. Ah non, ça serait pas nice, ça. Je fais attention. Je suis un peu stressée quand je les amène, par exemple, pour ça. Je veux pas y parler. Ben non. Mais. Ça vaut du cher? Ben, ça vaut rien. Tu sais, je veux. Ben. Okay. Non, mais dans le sens. Non, mais c'est sûr, ça vaut quelque chose, je m'excuse. Mais ce que je veux dire, c'est que ça vaut rien. Tu sais. Mais c'est de la vraie or? C'est de la vraie argent? C'est plaqué. Hein? C'est plaqué, ouais. C'est un marshmallow plaqué. Mais en même temps. C'est un vieux biscuit. Tu sais, je veux dire, toi, tu vas trouver une médaille olympique, tu vas la faire vendre. Ça, c'est non, 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 ben, tu sais, mettons. Ça n'a aucune valeur, ça a une valeur pour moi, parce que quand je regarde ma médaille, c'est comme, je me ferme les yeux, puis je suis capable de, genre, me rappeler cette journée-là, les gens qui étaient là, à quel point c'était nice. Mais, genre, ça n'a aucune valeur pour personne, madame. Au même titre que si je veux te voler ben, ton c'est olivier. Une pièce, c'est une pièce de collection. Moi, honnêtement, là. Si j'avais gagné des médailles ou si je gagne des oliviers, je pourrais les vendre. Toi, tu pourrais les vendre? Ah non, moi, je pourrais pas vendre. Par parce exemple. Que, qu'est-ce que tu fais, Chuck, avec ta face? T'es sûr de ça? Oui. Réfléchis. T'es sûr de ça? Je suis confirmé. Non. Réfléchis comme faux. Tu mets l'objet dans ta chambre puis tu ça, pas c'est une passion. J'ai pas une passion de trophée. OK.
Mais ton premier, mettons, tu gagnes un Olivier, ton premier. Ah non, mon gars. Je le mets chez ma mère, je le mets chez ma mère et mon père. Oui, that's right. Le deuxième, j'ai pas d'appartenance. Mais je comprends. Moi, je suis pas attachée bien matériel, mais il reste que je serais jamais capable de m'en départir, tu sais. Ouais, j'ai peut-être, ouais. Tu comprends? Je comprends. Mais en même temps, je me dis, le souvenir est là. Oui. Le souvenir est là. Mais mettons une journée, là, c'est arrivé une fois, là, où j'ai eu un blues. Tu sais, un blues de genre, t'es comme... Je me disais, mon Dieu, j'ai été 18 ans dans le sport, puis maintenant, je me suis réveillée, puis j'étais comme, j'ai pas plus de métier, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de rien. Fait que j'étais comme, mon Dieu, j'ai gaspillé 18 ans de ma vie. Puis là, j'étais comme... C'est un bon blues, là. J'étais dans un trou noir, là. Oui, oui. Là, je broyais ma vie, tu sais, j'étais comme... Hein. Là, j'ai fait, OK, là, je suis montée, ils sont dans ma mezzanine, je suis montée en haut. Là, je me suis assise au sol, j'ai sorti mes médailles, puis j'ai fait non. Là, reviens-nous, fille, là. OK? Ça, c'était. Là, j'ai comme eu un moment avec mes médailles, puis j'étais comme on est fiers de ce qu'on a eu, on est fiers de ce qu'on a vécu, on a une belle carrière. Non, c'est pas 18 ans de marde, là. C'était 18 ans où on a vécu un trip de la mort, là. OK? Ça se passe tout dans ta tête, ou tout est-ce que t'es rendu au moment où tu le dis à voix haute? Comme, non, mais je me parle quand même dans vie. Ouais, mais là, j'étais dans ma tête. Oh là, j'étais complètement dans ma bulle en train de regarder mes dents au sol. Puis ça t'a fait du bien. Ah oui. T'as refermé ma petite boîte. J'ai fait, on redescend. Oui. Mais c'est un bon blues, là. C'est pas une journée où il pleut pis tu fais, oh mon Dieu. Là, non, attends, non. C'était sûrement en question tes 18 années de. Ouais. Ça s'est-tu produit pas longtemps après l'annoncement de ta retraite? Mettons 6 mois après, ça s'est passé comme à l'automne dernier. Là. OK. Ouais. Puis comment tu sors de ça, justement, t'as les médailles, mais après ça, je veux dire, ça règle pas tout, là, ça aide à remettre les cadrans à zéro, mais comment tu vis ça? Parce que moi, à un moment donné, j'ai fait l'École nationale de l'humour à 19 ans. Puis en sortant, que je ne suis pas un athlète olympien, là, on dit-tu athlète olympien? Ça se dit pas olympien? Un olympien, athlète olympique. Tu vois, dans ma tête, ça fait, c'est pas bon, mais je vais aller chercher des réponses. Je suis sorti de l'école à 21 ans, puis moi, j'étais juste travail. Puis encore là-dedans, je me valorise dans le travail. Par contre, toutes les autres sphères où tu deviens avoir un équilibre, la famille... les amours, les amis, les vrais. Ouais. J'ai tout laissé ça de côté. Puis à un moment donné, je pense, à 25 ans, il y a ma psy qui me dit, là, t'es en train de faire un burn-out. Ouais. À 25, c'est jeune, là. Ah! Là, je fais OK. Puis là, j'ai Switch. Fait 3 ans là, que là, je travaille sur moi. Puis... Mais t'as-tu filé ça, toi, dans ce trou noir-là de, oh mon Dieu, j'ai pas fait attention à telle personne. J'ai pas fait ça. Ma famille, je les ai quasiment pas vus. Ben, moi, ça me rattrapait à la fin. Pis c'est pour ça que j'ai pris ma retraite, là. On est tellement... T'sais, on n'a pas le choix d'être selfish, puis de penser à nous-mêmes, puis d'être égocentrique. T'as pas le choix, t'as pas le temps. On n'a pas le choix. Il faut qu'on pense patin. C'est toi la machine, là, c'est ça. Mais en même temps, à un moment donné, ça nous rattrape. Puis moi, c'est comme je te disais, c'est vraiment... C'est contre mes valeurs, tu sais. Fait que moi, je suis plus tournée vers autrui que surcentrée sur moi-même. Fait que, tu sais, ça m'a rattrapée. Puis dans les dernières années, il y a eu comme un enchaînement. Tu sais, mon père a eu un cancer en 2016. Ma grande sœur a donné naissance à sa fille en 2017, dont je suis la marraine. Fait que là, il y a comme eu des points qui se sont accumulés. Ouais. Puis là, je me suis comme dit, sais-tu quoi, genre... Ma famille est pas éternelle. Je suis en train de manquer des belles choses de la vie. Mon trip, ça a été hot, mais on dirait que là, j'étais tannée que ça tourne autour de moi. Tu sais, à chaque fois que maintenant je dis à ma mère, je descends, je vais sûrement descendre au lac cette fin de semaine là. Elle là, ma mère, tu sais, elle monopolisait tout le monde. Ok, Marianne descend. Fait que là, fallait que ma petite sœur soit là. Tu sais, je comprenais parce qu'il voulait absolument qu'on fasse des moments en famille, mais j'avais l'impression que c'était toujours tourné sur moi, puis ça me gossait. Comme un peu de végétarien, un peu dont on la voit pas c'est souvent. C'est comme c'est Marianne. Puis si Marianne elle prend de la place, on vient d'une petite ville, fait qu'à Saint-Félicien tout le monde me connaît, fait que j'étais comme tiens à un moment donné, ça va être lourd pour tout le monde. Puis tu sais c'est le fun. Mais il y a pas une aréna à ton nom. Ils ont nommé l'aréna à mon nom. Félicitations, c'est hot. Merci. Fait que là tu vas devant l'aréna, c'est mon nom. Centre créatif Marianne Saint-Gelais à Saint-Félicien. Tabarouette. Moi il y a mon nom dans une belle province. Ne. Bravo Alex. Ça, hein? Non, c'est pas vrai, pas en tout. Ah! Il l'a signé dans les toilettes. Alex was here. C'est du vandalisme. Je l'ai effacé après.
Bullshit. Fait que t'étais tanné que tu sois un peu le centre d'attention. Ça m'a rattrapé. Mais il y avait quand même un côté, comme quand tu t'entraînais, tu l'as-tu vu ça? Ah, oh, mon Dieu, là, je suis selfish, ou t'étais tellement dans cette spirale-là que tu n'y as pas pensé, puis c'est en sortant de ça que t'as fait, ah, oh, mon Dieu, non, okay, non, faut que je... en patinant, ça commençait à être tough. Ah, ouais, à l'aréna, mon entraîneur le voyait, puis tu sais, quand je revenais de moment en famille, ça me prenait 3-4 jours à m'en remettre. Puis même à la fin, c'est Fred qui me disait, OK, en fin de semaine, on a une fin de semaine, tu pensais-tu aller au lac? Non, ben vas-y. T'sais, fait qu'il me disait, vas-y, là, va-t'en en famille. OK, il sentait. Fait que, ouais, okay. Il commençait à le sentir. Là. Fait que, est-ce que ça a changé mon mode, mettons, comment, ma préparation olympique? Non, parce que justement, j'avais Fabien qui était mon préparateur mental, qui était là, puis qu'on a ajusté les trucs, mais ça commence à être lourd. Là. Ça commence à être lourd, puis ça commençait à vraiment plus peser dans la balance que ça l'était dans les années ses précédentes. Là. Wow. Ouais. Puis là, t'as-tu un préparateur mental, comme, je veux dire, ça se prépare aussi une retraite, là? Genre, c'est un autre début, comment tu vois ça, comment tu vis ça, c'est-tu comme tu le présageais, c'est-tu exactement ce que tu croyais, c'est-tu plus tough? Ben en fait, j'avais pas d'attente, là, parce que, tu sais, je me disais... C'est une bonne chose, je pense. Je vais le vivre, là, tu sais, puis comme ça... Il n'y a pas un modèle de transition, tu sais, il y en a autant que de monde sur la Terre, tu sais, fait que c'était, je vais vivre ma transition. Moi, je sais que je suis une personne qui est intense, fait que je savais que ça allait être intense, mais que ça allait être court, tu sais. Fait que c'est exactement ça qui s'est passé, là, tu sais, j'ai eu un automne, c'est ça, vraiment pas plaisante. Mais après ça, tu sais, moi, je connais mon mécanisme de défense, puis mon mécanisme, comment ça fonctionne. T'sais, moi, je descends, puis à un moment donné, je pogne le fond. Puis quand je pogne le fond, je me réveille. Puis là, c'est le fond. Mais comment tu descends en te voyant descendre? Tu le sais que ça s'en vient? Ou comme dans le sens, tu peux pas comme essayer de te remonter ou faut vraiment que tu sois. À un moment donné, ça se déclique. À un moment donné, il embarque. Je me vois descendre, je vais voir, OK, ça va embarquer. Là, cet automne, je me disais, là, ça va embarquer. T'attendais ton down? Hey, je le sais que ça va arriver, mais moi, j'adore l'ascension. Ah, c'est tellement fou. Quand le marraine a fait pap, on repart. Ah! Mais faut que faut que t'attendes d'être au top, en bas. D'être dans le sous-sol, le troisième mais parking là, terrain. C'était long avant que je le pogne. J'étais comme, mon Dieu. Attends, mais c'est intéressant. Long. Fait que t'attendais. Au lieu de faire OK, on va remonter, t'attendais. Ah non, fallait que je l'attende. Pour que l'ascension parte de zéro. Vivre comme il faut, tu sais. Ah. Si là je me déclic pas là, c'est parce que j'ai encore des affaires à vivre, j'ai encore des affaires à catcher, faut que je creuse. Puis à un moment donné, ben quand t'as tout creusé ce que t'avais à creuser, ben OK, sont toutes là, tes démons sont toutes sortis, ben à cette heure, est-ce plan d'action, pam, on y va. Là quand tu dis on creuse, c'est tu te mettais face à tes problèmes. Ben oui. Tu sais, comme l'anxiété, on dit quand t'as une crise d'anxiété, tu dis ah ouais, fais ça, si. Ouais. Fait que t'allais-tu te mettre dans des. Non, mais c'est ça pour vrai. Tu te mettais dans les situations qui te rendaient. En fait, je me mettais pas nécessairement dans la situation, mais je vivais la situation. Fait qu'au lieu, moi, j'étais pas dans. Ça m'en échappait. Tu sais, à faire comme oh, OK, non, j'y vois pas. T'étais dans l'évitement avant? Ouais. J'évitais dans le déni. Puis après, c'est comme, non, faut le vivre. Mais là, j'étais épaulée, là. Je veux dire, j'avais une psychologue avec moi, là, on s'entend, là. Je peux pas dire ça, là. Fait que, tu sais, j'étais épaulée, j'avais des gens autour de moi. Puis, mais tu sais, là, je faisais comme, OK, je le vis, la descente aux enfers. J'ai embrace la descente aux enfers. Puis après ça, on repart, tu sais. Puis là, t'es. Là, j'étais dans l'ascension, là. J'étais au bout de l'ascension, là. C'est vraiment. Honnêtement, là, c'est le. Moi, j'adore ça, ça. Mais j'ai jamais entendu ça. Fait que t'es fan d'ascension plus que. Tu sais, c'est ça aussi, là. Mais se voir monter, se voir progresser, se voir aller mieux, c'est tellement le fun. Moi, j'adore ça. Avoir un plan d'action, passer à l'action. Ah, ça, c'est fort. Moi, je m'écris, j'avais appris ça à l'École nationale de l'humour. À chaque année, je m'écris mes objectifs pour l'année suivante. Ouais. Je la scelle. Oh, Chuck. Okay, oui. Et là, je scelle l'enveloppe, puis je laisse ça quelque part. Puis là, je retrouve par enchantement après 8 mois ou 1 an. Oh, ça, c'est fort. Puis là, je l'ai retrouvé, elle s'était attendue de mon micro-ondes. Là, je l'ai ouvert, puis j'avais 8 points sur 10. T'avais. D'accompli. Et là, j'ai fait. Très fort. Après ça, je suis allé me couper des patates, puis ça. Mais moi, mon problème, c'est que je ne surfe jamais assez longtemps. Puis je pense que c'est peut-être une bonne chose, mais je surfe jamais sur mes succès, puis je surfe jamais non plus sur mes échecs. Mm-hmm. Ce qui fait en sorte que il faut que t'apprennes de tes échecs. Oui.
Ah, tu apprennes de tes bons coups. Parce que, tu sais, si tu veux les répéter, ces bons coups-là. Oui. Là, je suis plus là-dedans, là. Ouais. Mais, tu sais, comme j'ai fait mon premier gala juste pour rire la semaine passée. Plus beau moment de ma vie. Plus beau moment sur scène. C'était malade mental, tu sais. Puis là, le monde m'écrive le lendemain. Ah, t'es-tu encore sur ton nuage? Je fais non. Tu sais, moi, c'est. Ben, c'est bien. Mais tu l'as vécu. Ouais, je l'ai vécu. Ça, c'est important, par exemple. Tu veux dire. Ouais. Respire, là, tu sais. Il revient des fois. Ouais. Mais je suis comme, OK. Il y a du monde qui sont là-dessus pendant une semaine. Je suis comme, je peux pas croire. Ben, c'est ça bien. Reste un show, là. Moi, je pense que c'est bien aussi. Ça te permet de. Ouais. Peut-être plus dans le moment présent aussi, là. Mais c'est bipolaire, là, ce métier-là, là. C'est sûr. Mais aux Olympiques, là, quand tu vas, là, pis tu. Pas impressionnant, mais plus. T'es-tu intimidé quand t'arrives là, pis tu vois plein d'athlètes, pis comme y a-tu un get-together après les jeux, après ta journée, mais après ta soirée, y a-tu une place où tout le monde prend un verre d'eau en gang, ou. Ben, t'sais, y a-tu le party? On enfonce, y a un village. Fait que, tu sais, y a deux villages aux Olympiques. Il y a le village des sports qui sont en montagne, c'est-à-dire tous les skis, bobsleigh, Fait que toi, si t'as pas de ski, tu peux pas aller au village en montagne. Mais on a le droit d'y aller, mais c'est juste que. C'est pas votre gang. Non. Mais tu sais, nos installations sont pas là. Fait que nos compétitions sont pas là. Fait que, puis après ça, il y a le Coast Village. Fait que là, ça, c'est nous autres. Fait que c'est tous les sports de glisse. Qui y avait aussi? Il y avait nous, patins, hockey, curling était là. Fait que tu sais, on est comme séparés, là. Fait que, tu sais, oui, on a affaire à toute cette belle gang de personnes-là, de tous les pays confondus, là, tu sais. Fait que, on a chacun notre building où on dort. Fait que, tu sais, mettons, le Canada a une tour, le Brésil est pas là, l'Australie a une tour, tu sais, ça fonctionne de même. Mais, tu sais, tous les accès communs, fait que, c'est-à-dire, mettons, la cafétéria, il y a des trucs où on va aller jouer, il y a des jeux, bref, en tout cas. Fait que, tu sais, tout ça, c'est. On va aller jouer à des jeux. Ouais, j'ai un petit peu de récréatec. Genre, il y a dit. Ben oui, il y avait des jeux, il y avait des tables de baby foot, il y avait des affaires. OK. Crème, c'est un cégep. Ben oui. OK. C'est vraiment un mini village, là, tu sais, comme un espèce de campus universitaire, là, j'imagine, là, j'ai jamais été là, mais en tout cas. Moi non plus. Fait que oui, la cafétéria, c'est vraiment l'endroit où tout le monde est vraiment là à chaque jour, là, tu sais, de toute. Puis là, genre, tu te fais réchauffer le micro-ondes, puis là, tu jases avec quelqu'un de la Chine. Là. Genre. Hey, t'es-tu la prêt? Chine, ça parle pas anglais tant que ça, là, mais mettons, Netherlands. Pays-Bas. Netherlands. Ouais. Okay. Fait que, ouais, ça, c'est cool, là. Mais, tu sais, en même temps, on se parle pas tant que ça, là. Tu sais, je veux dire, moi, je parle au Canadien. Ça, c'est nice de voir, là, comment l'équipe de curling du Canada. Ouais. Je les ai jamais vus de ma sainte vie, là. On se voit jamais parce que les autres, ils s'entraînent, genre, partout au Canada, mais pas à Montréal, là, tu sais. C'est-tu. Le curling, là. Oh. Non, mais. Il va là. C'est-tu reconnu? Ben. C'est impressionnant à quel point. Non, Chuck, j'entends. J'entends ici. Non, mais t'aimes-tu le curling, toi? Non. Mais je suis toute là. C'est hein. Parce qu'on catch. Oui, vas-y. Je suis toute là avec vous autres. Si tu le regardes à la TV, c'est pas ça, pantoute. Ben, je te dirais que je l'ai vu aussi. De dire que c'est des athlètes, OK, j'entends. Parce que, tu sais, on s'entend, ils font un qui lance une pierre. Ouais. Je suis toute là. Fait que, mettons, côté physique, on s'entend. Mais c'est de la précision, mon ami, là. C'est des fous, là, du calcul, de la précision. Fait que, tu sais, ils en ont lancé en tabarouette des roches, là. Mais il est où le sport là-dedans? Moi, là, faire de quoi? J'ai joué au baseball, là. Ouais. Cet été, je suis dans une ligue. Et j'aime pas ça. Chris, mon cœur, il roule à 65. Non, c'est je ça. Dis, je monte même pas en 70. Là, je monte un sprint, puis là, je suis essoufflé une seconde, puis je fais bon. À un moment donné, j'ai fumé une clope en jouant au baseball. J'ai fait ça se peut pas. Tu sais, le hockey. Le patinage, tu sais? Oui. Le hockey, man. Mais ça dépend de ce que tu veux. Il y en a qui aiment. Le curling, c'est pas un. Oui. C'est quoi un sport? C'est ça la définition? C'est quoi selon la définition? Oui. Mais, oui, j'entends. C'est faut se. Se surpasser. Mais je pense pas qu'il faut juste ramener ça à l'effort physique, puis mettons à tes pulsations cardiaques. Ben, pour moi. Ouais, moi j'amène souvent tout à mes pulsations parce cardiaques. Parce que mettons mettons la personne qui va faire de l'équitation. Oui. On s'entend que c'est le cheval qui run là. La personne qui est assise sur. Attends. Mais tu vois, attends. Moi aussi je suis toute là. Je vais le défendre. Vas-y, là, vas-y. Je vais le défendre. Mais ce que je veux dire, c'est que la portion physique, c'est le cheval qui l'a. Oui, mais en même temps, as-tu déjà fait du cheval? Oui.
Moi, pas moi. Non, mais, fait que c'était juste. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je veux dire, je suis autant du bord ou l'autre. Là. Mais c'est tough, là. Attends, t'es. Le cavalier, là. Tu sais, t'es dans ton oui, cours, c'est là. Gainé, c'est sûr qu'il est gainé. Au même titre que le joueur de curling, il est précis puis il est gainé, là. Lance-en une pierre pour pas qu'elle fasse ça, ta pierre. Elle met de l'effet dedans. C'est hot, là. Je te le dis. Fait que, tu sais, dans le fond, tu comprends. Fait que je pense pas qu'un sport, c'est seulement pour ses. Mettons... Tirer de la carabine, c'est un sport. Moi, je pense que oui. Ben là, du tir à l'arc. Parce que quoi, c'est de la motricité. Ouais, ok, curling, la motricité, oui. Tu veux dire, le tir à l'arc, là, ouais. La personne qui fait du tir à l'arc, là, a pas besoin d'être mince de main puis d'avoir des abs, là. Le golf. Elle a besoin d'avoir un œil pas mal affilé. Oh, ouais, il a pas eu... Le golf. Le golf, ta barouette, il y a des gros golfs. Ben oui. Normal, John Daly, là, il fait 400 livres. T'as besoin d'avoir un bon swing. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Ok, je comprends. Fait que tu sais. J'aime pas le curling. Mais je comprends. Mais je suis ouvert. S'il y a des fans, s'il y a des professionnels de curling qui font chez eux, Alex, tu manques de quoi? Ben, invitez-moi. On va aller faire une session de curling. Je vais aller. Oui, mais faut que ça me coûte rien. J'aime pas assez le curling pour dépenser. Je comprends. Je paierai jamais un billet pour aller voir du curling si on m'invite. Puis tu vas aux Olympiques, c'est vraiment, vraiment populaire. Ah oui, bon. Ah oui. Ah oui. C'est fou, hein. Les gens adorent aller voir le curling. C'est fou, hein? Oui, c'est fou, parce que j'ai... OK. Ouais, ça prend de tout pour faire un monde, hein? Ben oui. Fait que là... en finissant le curling, là... C'est quoi le sport le moins connu, mettons? Là, je te pose des petites questions, après ça, je veux qu'on retourne dans la retraite, puis ce qui t'attend, là. Le sport le moins connu? Ben non, je veux dire, le moins... Tu sais que le monde se crisse le plus, mettons, aux Olympiques. Tu sais, qui attire le moins de gens. Tu sais, tu parlais un peu, le patinage de vitesse au début, c'était pas aux Olympiques. C'était pas connu parce que, tu sais, les Olympiques d'hiver, moi, j'écoutais ça, là. Parce que ça dépend. Tu sais, ça dépend. Puis, tu sais, ce qui arrive, c'est que les sports amateurs, comme notre sport à nous, on a des pubs aux 4 ans. Tu sais, fait que, mettons, tu peux le regarder le sport aux Olympiques, mais après ça, tu sais, on n'entendait pas parler pendant 4 ans. Tu sais. Mm. Après ça, on entendait parler, le 4 ans d'après. Tu sais. Fait que, tu sais, ça a pris du temps avant que notre sport devienne un peu plus populaire, tu sais, puis que, on soit télédiffusé pour nos compétitions internationales, soit les championnats du monde, les coupes du monde. Tu sais, ça a pris du temps, là. Fait que, ouais, on n'entendait pas parler. Là, mais c'est-tu votre génération qui a mis le patinage de vitesse à la map? Ben, moi, je pense que ce qui a beaucoup aidé, tu sais, on en a eu des grands avant, là. Tu sais, on a eu Marc Gagnon. Ben, tu sais, avant ça, on avait Nathalie Lambert, Frédéric Blackburn. Marc Gagnon, c'est les cheveux spiky. Oui, on a eu Marc Gagnon à Salt Lake. Tu sais, je veux dire qu'il a fait, tu sais, fait que Salt Lake, c'est 2002, là. Il y avait un genre de Fu Manchu, là. Il y avait un Fu Manchu, les cheveux blonds. Il avait l'air d'écouter tout le temps du Daniel Desnoyers. Oui. Oui. C'est-tu ton ami? Ben, c'est un ami. C'est un idole. Ben, moi, j'ai pas eu d'idole. Je suis un peu poche, hein, aussi. Ça va avec le fait que j'avais pas d'ambition dans la vie, là, tu sais. Dans le sens que. Non, mais c'est vrai, pareil. Tu voyais pas, mettons, des affiches de dentiste, puis tu fais, oh mon Dieu, c'est mon idole. Dans le temps que tu voulais être. De vétérinaire, je faisais ça. Non, vraiment pas. Fait que, mais tu sais, Marc, je l'ai côtoyé parce que maintenant, il est entraîneur pour un club régional à Montréal. Mais... Y a-tu encore le. Non, on a changé au niveau de la coupe. Ses cheveux aussi, on n'est plus bleaché du tout. Mais tu sais, je veux dire, c'est un athlète incroyable, puis c'est une personne aussi, c'est vraiment sympathique, là. Mais c'est ça, fait qu'on a eu des grands, là. On a eu des grands, puis de ça, après ça, ben, je veux dire, ça s'est très bien transmis, les connaissances et tout ça. Puis on a eu la chance d'avoir des Jeux au Canada, tu sais, en 2010. Puis on a eu des résultats de feu, là, je veux dire. On parle pas juste, mettons, de notre sport, le patinage de vitesse, mais le sport, les sports en général, on a eu un cumulatif de médailles d'or qu'on n'avait jamais eu dans le passé. Fait que, tu sais, ça l'a vraiment, juste de Vancouver, on rayonnait. Puis ça le fait que le sport a été mis un peu plus sur la map, puis on a eu droit à des histoires qui étaient super touchantes, tu sais. Soit, oui, le baiser de Charles et moi sur la bande, l'histoire de du décès de la mère à Joanie qui patine quand même. Ça, c'est tout à Vancouver, c'est ça. Vancouver, ah oui, c'est vrai, c'est une grosse année, là. Alex Bilodeau, qui est notre premier champion olympique en sol canadien, puis qui prend son frère qui est handicapé dans ses bras, tu sais. On a tellement eu des belles histoires qui étaient beaucoup plus du côté human, puis qui laissaient un peu la performance de côté, que c'est beaucoup ça qui ressortit. Mais on dirait que c'est de plus en plus ça, les Olympiques. Mais aussi. Oui. On veut voir plus le côté humain. Ouais. D'après moi, ils ont écouté Répète pas ça, puis ils ont fait bonne idée. On veut dire human. Mais comment t'as senti ça faire les Olympiques chez toi, genre au Canada? C'est quoi la différence avec Pyeongchang puis Sochi? J'imagine que tu fais. Y a-tu comme une vague encore plus intense de oui, on est là avec vous?
Mais clairement, clairement, c'est... C'est, tu sais, il disait en anglais le home field advantage, tu sais, fait que c'est comme d'avoir l'avantage d'être à la maison, tu sais. Ouais, mais aussi, nul n'est prophète dans son pays, mais là, là, c'est pas ça, là. Aux Olympiques, ça s'est pas rendu, là. Mais tu sais, c'est parce que, tu sais, c'est. Pour nous, on avait eu la chance, vu que c'était à Vancouver, les Olympiques, de, tu sais, 2 ans avant les Jeux, on y allait fréquemment. T'sais, on avait soit des camps d'entraînement, fait qu'on on était habitué déjà à l'environnement, fait, c'est-à-dire la glace où on allait à être. Là. Fait que, on avait déjà ça à gérer. T'as pas de décalage horaire tant que ça à gérer. 3 heures, on s'entend. Fait que, tout était là pour qu'on performe. On a la chance d'avoir nos familles. On est dans la rue, tout le monde est habillé en Canada. Fait que, c'est hot, ça. Il nous avait dit... Amenez-vous, mettons, une paire de jeans puis un chandail casual pour pouvoir vous promener dans les rues, parce que si vous vous promenez avec du stock Canada, vous allez jamais vous allez vous faire arrêter. Mais c'était l'inverse. Tout le monde est habillé en Canada. Fait qu'il fallait s'habiller en Canada pour passer incognito. Fait que c'était tellement beau, puis c'était tellement, tu sais, les gens vivaient puis au rythme des Jeux Olympiques, là, tu sais. Fait que, puis tu sais que c'est toi qui vas être encouragé. Tu sais, fait que quand t'embarques sur une glace, quand t'es en haut d'une pente de ski, peu importe, ben ça crie pour toi, mais c'est ton monde à toi, tu sais, c'est pas juste mettons mon père à Sochi qui est comme let's go Marianne, non, tu sais, c'est tout le monde qui prend pour moi, tu sais, parce que j'ai un Canada puis une feuille d'érable dans le dos, t'sais. Il y avait combien de monde? Ben à notre stade à nous au Pacific Coliseum, il y avait 14 000 personnes. C'est hot, ça. Quand t'embarques sur une glace puis c'est patiné au Centre Bell. J'ai entendu les gens crier à mon dernier tour de piste aux 500 mètres. J'ai jamais ma bulle elle a jamais pété là, tu sais, même à la fin de ma carrière, j'entendais jamais les gens crier là. Je les ai entendus une fois puis c'était à Vancouver. J'ai entendu la cloche sonner qui annonce le dernier tour, puis là on dirait là que puis là j'entendais crier. Là. Comment ça, pourquoi? Parce que t'es sorti de ta bulle ou parce que t'es tellement fort? J'ai sorti de ma bulle parce que j'ai perdu le focus de ma performance, tu sais. Wow. Fait que ça a aucun sens. À quel point que c'était fort. Mais en même temps, je me dis, je pense que je suis contente que ce soit arrivé parce que je me rappelle des cris. Puis tu sais, si mettons, je vais avoir un souvenir autre que ça, de n'importe quel jeu, j'en ai pas. Je suis pas capable d'avoir aucun souvenir. Fait que, sur la glace, tu parles sur, sur la glace. Ouais, sur la glace. C'est fou, hein? C'est fait fou. Que... Je suis comme un peu contente d'avoir, d'avoir pété ma bulle. Quoi d'intéressant? Je fais un parallèle quand on monte sur scène. Mais oui. Comme là, mardi passé, je suis monté, il y avait 3200 personnes. Wow. Puis quand je suis sorti de scène, je me suis retourné, le monde était debout. Puis ouais. Je suis sorti de scène, j'avais pas un souvenir de moi sur scène. Parce que t'es tellement. T'es tellement là. Mais c'est parfait, t'es grounded, zone. Tu fais tes affaires. Puis après ça, ça revient par. Petit bout, mais jamais je vais avoir le big picture, ouais. Mais après ça, mais t'as-tu, comme dans la vie de tous les jours, tu sais, c'est une petite grosse dose d'amour, là. Ouais. Tu manques tout ça, y a-tu des fois où tu fais, tu sais, quand tu sais, quand t'as vécu puis là, tu sais, c'est pas la réalité là, de tous les jours, là, vivre ça, là. Comment tu deals avec ça, là, maintenant à la retraite, comme. Ouais. Ben, tu sais, je suis pas une personne qui... Tu l'as dit tantôt, tu cherches pas ça. Là, ouais, t'as jamais cherché je ça. Je me valorise pas non plus à l'attention que j'ai non plus. Tu sais, au contraire, moi, je suis plus du genre à mettre tout le monde égal, là, puis à faire comme, ouais, OK, ouais, mais toi, là, tu sais, je prends pas bien les commentaires. J'ai de la misère à me faire dire que je suis bonne puis que je suis belle. J'aime pas ça. Fait que, tu sais, tout ça, là, ça m'a aidé, je pense, avec mon égo, là. Mais moi, ce qui me manque, c'est l'attention d'avoir des gens autour de moi. C'est-à-dire, j'aime ça être entourée. J'aime ça à partager, avoir une équipe. Moi, là, c'était mon plaisir de la vie, là, c'est de me lever le matin puis d'être so-so. Là, de faire comme, si aujourd'hui, ça me tente vraiment pas d'aller m'entraîner, ça va être tough, je suis une même déjà, nice. Je mange, tu vas un peu à reculons, mais je me dis, la marche que je prenais de ma maison à l'aréna, qui était genre 5 minutes, je me disais, il y a une fille qui aura de quoi me raconter, puis ça va être drôle. Il y a une fille qui aura une bonne histoire. Mais comme de fait, j'arrivais à l'aréna, bon matin les filles, puis là, il y en avait une qui faisait,
hier, c'est passé telle affaire. Puis là, je riais, puis j'étais comme, merci, tu sais, moi, j'ai besoin de ça, tu sais. Okay. Puis si c'était pas moi qui avait une histoire à lui raconter, c'était elle qui en avait une, ici et là, puis on partait. Puis... T'étais fan d'anecdotes de bureau. Ah, mais c'est petite, tu sais, puis je veux dire, il y avait un choc de génération. Là, moi, j'avais 27 ans, cette petite-là avait 19 ans, tu sais, je veux dire, on n'était pas dans le même monde, on n'avait pas les mêmes affaires. Tu sais, moi, j'étais en couple depuis tellement longtemps, puis eux autres, ils flirtaient, puis ils dataient, puis ils rendaient des affaires, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est rendu ça la vie, tu sais, je veux dire. C'était complètement, mais c'était tellement plaisant, là, tu sais, fait que ça, là, ça me manquait, puis tu sais, ça me manque encore parce que tu sais, j'ai retrouvé un noyau, mettons, dans le gym où je m'entraîne. Tu l'as dit plus tôt, tu sais, moi, je suis allée reacher les gens qui m'avaient un peu mis de côté, pas parce qu'ils voulaient mettre de côté, mais c'est parce que j'étais tellement pas disponible. Mm-hmm. Fait que tu sais, c'est moi qui ai reaché ces gens-là maintenant, puis tu sais, je le retrouve, mais je pense que d'avoir une proximité comme ça avec des gens, ça va être difficile à recréer aussi, là, mm-hmm. du fait que je m'entraînais deux fois par jour, six jours semaine avec elle. Mais c'est ça, ouais, c'est plus ça qui me manquait. C'est encore drôle, tu sais, t'as dit tantôt que t'étais une nouvelle fantastique pour. Ouais. Tu sais, tu vas avoir des contrats de même de plus en plus, mm-hmm. là, tu sais. Ouais, tu vas côtoyer des gens, puis. Tu vas peut-être avoir. Tu vas peut-être être comédienne dans une. Dans C'est la fin. Ah! Ça serait fou, mais mettons, tu sais, tu pourrais quasiment tourner à l'année avec les mêmes personnes, ouais. Tu sais, ça peut se retrouver quand exact, même. Exact, j'imagine. C'est juste qu'on dirait que je me fais pas d'attente, tu sais, puis je suis quelqu'un qui aime pas. Tu sais, qui aime pas se mettre des attentes parce que j'aime pas être déçue dans la vie, là. Fait que je veux me faire surprendre. Fait que je me dis, si ça arrive, ça arrivera. Mais on dirait que j'ai tendance en ce moment à faire une coupure, tu sais, à dire, ce que j'ai vécu là, c'était hot, c'était un beau trip, je suis mm-hmm. reconnaissante, puis je me sens privilégiée de l'avoir fait. Mais attends-toi pas à retrouver ça dans ta transition, tu sais, ouais, parce que ouais. Ça se peut que ça arrive pas. Fait que sois contente de ce que t'as pu avoir. Ça, c'est fait, on ferme la petite exactement. Boîte. Exactement. Mais ça t'empêchera pas d'avoir des belles choses, fille, là. Tu sais, ça t'empêchera ben, c'est pas. C'est parfait, ça. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Puis tant mieux si j'ai une belle connexion. Puis tant mieux si je retrouve un groupe où je me fais comme, oh mon Dieu, c'est nice. Mais on dirait que je m'attends pas à ça. Ben, c'est assez de recréer. Ça se recrée pas. Mais non, un, ça se recrée pas. Puis dans toutes les sphères de ta vie, il faut jamais recréer, mais en même temps, on tombe dans. Mais t'as-tu, pas d'attente, mais là, t'as un agent, t'as une gérante, un gérant, c'est quoi, là, t'as quelqu'un qui te gère, là, tu veux-tu être plus, parce que là, on s'est connus aussi, oui. Comme chroniqueur, chroniqueuse, pour une chaîne franco-ontarienne. Oh, je suis tellement contente! Ben, moi, j'ai grandi avec tes photos, tu sais non, pas c'est quoi non, pantoute, pas du tout. Mais c'est cool. Mais ça. J'ai fait ta rencontre, pis tu sais que t'es mon highlight, hein? C'est-tu vrai? Mais monsieur, je te l'ai dit pendant deux jours. Ouais, mais je le sais, ouais, mais je le sais pas. Tu sais, je te fais rire. J'ai rencontré ce gars-là, j'ai capoté. J'ai fait, oh mon Dieu, mais je l'ai taquiné pendant deux jours. Mais taquiné comme faux, là. Genre, on s'est pété la tête. Hey, elle m'a fait mal. J'avais mal, esti, au. À un moment donné, ouais, on est tous alignés, puis on danse, mais elle me ramasse la tempe, genre. Tu sais, je fais, hey, Chris, ça a fait mal. Là, je me suis dit, j'ai une veine de péter, esti. On est en plein tournage, je le grab. En deux takes, Marianne, elle me gèle. Pow! Je suis là. Tu sais, je dansais, mais un peu plus lent après. Là. Ah, oh, c'était drôle à 10 sur 10. Non, mais parce qu'il est vraiment spécial. Il est spécial. Ah oh, non, mais moi, je l'adorais. Pas si. Je t'adore. Non, bon. Non, je l'adore. Je l'adore. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté, hein, sinon je serais pas ici, tu sais bien. Ah oh, ouais. Mais oui, fait qu'on sait pas là où ça va nous mener tout ça. Là. Mais en tout cas, c'est ça. Puis ils sont bien contents de t'avoir aussi. Ben écoute, on s'amuse bien. Avec belle... Manu de Mixmania. Comme les cinq doigts de la main. Moi, je continue pas. Vas-y, vas-y. Ben, okay. Mais c'est vrai, c'est le réalisateur, oui! Manu. McEwen. Mais c'est ça. Emmanuel McEwen. J'ai essayé de l'ajouter sur Instagram, j'avais oublié son nom de famille. Mais je savais que ça sonnait McLaren, un gars de char. Puis c'était pas le même gars. Manuel McLaren, c'était pas le même. Mais ouais, c'est ça, parce que si c'est écrit Manu, c'est Emmanuel son nom. Je pense que j'ai tout fait. Manu, Emmanuel. OK. Ben, Emmanuel avec 3M, 2M. McEwen, tu vas l'avoir. McEwen, parfait. Tu vas l'avoir. Qu'est-ce qu'on peut te. Hey, on t'a parlé que j'ai un blanc. Si j'ai un blanc dans ma main. Mettons. OK. Il y a quelqu'un qui a pris mon mot, puis qui l'a dit dans une bouche. Il y a quelqu'un qui est au Costco, fait souhaiter. Qu'est-ce qu'on peut te. Ah, ça serait drôle. Ben, c'est de même que ça marche. C'est de même que ça marche quand t'as un blanc. C'est parce que c'est quelqu'un qui prend ton mot ailleurs. Non. On est tous pluggés sur un Wi-Fi. OK, mais moi, je veux voir la personne qui crie « Souhaitez! » Un Costco, tu caches? Ça, c'est drôle. On va, oui, là. Allez-vous prendre des sacs, monsieur? Souhaitez! Voyons. Capteur. Ouais, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu veux faire, là? C'est quoi ta retraite, là? OK. Tu te crées pas d'attente, mais je veux dire, tu veux pas non plus aller travailler au coche-tard de nuit, là? Tu pourrais.
Come on. Puis c'est pas péjoratif, là, aux gens qui... Écrivez-nous si vous travaillez au couche-tard. Je vais aller faire un stage. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que 2019, moi, je me suis dit... moi, j'étais bien, bien résolution dans la vie, puis je tenais fuck it. Ah oh oui, t'étais fort, ben, fort de tes résolutions? Ben, dans le sens que, genre... oui, puis je crois que ça va peut-être pas sens, parce que moi, mon créneau dans la vie, c'est genre... il arrive jamais rien pour rien, tu sais. Fait que la résolution, je trouve que ça n'a pas rap, tu sais. Fait que je me suis dit, cette année, tu te laisses surprendre, fille. Fait que 2019, je l'ai pris pour me laisser surprendre. Fait que qu'est-ce qu'on me souhaite? Tu sais, je veux dire, en ce moment, je suis pas sur mon X, mais je suis pas si off de mon X non plus, tu sais, parce que je fais des super de belles rencontres. Tu sais, là, ça s'enchaîne super bien, je vais mieux, tu sais, je me retrouve, ça va bien. Tu sais, la carrière, ça va peut-être pas être, tu sais, je veux dire, optimale pendant un bout, mais ça me satisfait parce qu'en ce moment, je touche à plein de trucs, c'est super stimulant. J'ai des projets aussi, je sais pas si ça va se concrétiser, mais let's go, tu sais, fait que y a rien qui me dit genre c'est de la merde ce que tu vis, tu sais, faut juste que je fasse ma transition, tu comprends? Non, mais c'est vrai parce que tu sais, y a rien qui me dit en ce moment c'est drôle en crise. Mais ben, oui, comprends ce que je veux mais dire. Mais c'est quoi ton X? Est-ce que tu le sais ou tu fais juste tu le vis? OK. C'est pas encore tout à fait ça, okay. Mais chaque ou est-ce que tu sais c'est quoi ton X? Mon X là, pour moi, pis ça en même temps j'ai l'impression qu'il va peut-être changer, mais moi mon X, je pense que ça serait, mettons, d'avoir une stabilité au niveau de ma profession, tu sais, je veux dire, pas que je veux faire, mettons, du 8 à 10, du 8 à 6 à tous les jours, mais avoir un peu plus, mettons, je pense c'est ça, un cadre là, peut-être là. Puis ben d'avoir une famille, tu sais, je pense que quand je vais avoir ça là, ça va être mon X, tu sais. Mais ça se peut que ça arrive pas tout de suite, là. Puis ça se peut que je sois en recherche de ça pendant des années. T'as-tu? Mais ça va être parfait parce que je continue à évoluer, à grandir et à m'épanouir, tu sais. Fait que c'est vraiment pas négatif et péjoratif, ce que je dis. Mm-hmm. Ben non, pas du tout. Pas quand je vais être sur mon X, je vais être sur mon X en tabarouette. Mais tu sais. Vous Moi, il va me tasser, genre. Tu parce que c'est très bien ce qui va t'arriver à attendre. Oh! J'ai vu un peu double, hein. Je l'ai pas non, dit. Mais attends, on s'est connu pour vrai. Mais moi, j'aimerais savoir la vidéo de ça, by the way, parce que maintenant, on l'échappe. On est honnêtement 35 secondes où on l'échappe complètement. Où moi, je suis tordue. À la limite, il y a des gouttes de pipi qui tombent parce que je suis crampée. Toi, tu vois trop, t'es de même. Ah non, mais moi, je pense que je l'ai échappé pendant une journée complète là-bas. J'ai pogné comme. Un coup de soleil. Un coup de chaleur. Ouais, il y a un coup de chaleur. Je sais pas, tu sais, j'étais comme euphorique, là. J'étais genre. Qu'est-ce que t'avais pris? J'ai rien pris pendant tout. Ah ouais? J'ai jamais pris de drogue. Jamais pris de drogue. Non, mais je te parlais pas de drogue nécessairement. Ah, ok, ben voyons, tu me dis qu'est-ce que t'as pris. Je te parle que je suis fourré, qu'est-ce que t'as pris? J'ai pensé à ça. Moi, j'aurais. Ben, c'est ça. Moi, je suis un petit boss de Gatorade. Moi, je suis un gros buveur. C'est tout ce que je fais, puis je fume du pot des fois. Oh, ben, c'est dit. Merci. Si on vient. Si on t'arrête de perdre des followers. Il est clean. Mais tu t'es-tu donné un âge pour. Non, arrête ça, c'est devenu trop stressant. Pour avoir des enfants? Hey, déjà, là, je me dis, à 30 ans, moi, là, ma vie va être parfaite. Oh là là, il me reste 4 mois avant d'avoir 30 ans. Laisse-moi 30 ans, je me suis dit, je vais être millionnaire. Tu vois, c'est pas possible. C'est dans le temps que j'avais 21. Chris, que je te loue. On peut pas, on comprend pas. Non, mais en plus, être millionnaire, c'est-tu l'affaire la plus triste? Mais parce qu'on comprend pas. Je vais avoir de l'argent, on s'en calisse. Ben, ça dépend, il y en a qui s'en calissent pas. Non, moi, j'aime. Ben, moi, j'ai besoin de je veux dire, ça pour vivre, là, tu sais. Sais-tu pourquoi moi je veux être riche? Je sais que je suis pas capable. Moi, les astis de compte, j'ai de la misère à gérer ça. Je pense que j'ai un TDA, là. Ouais, pour les comptes. Tu sais, Hydro-Québec, Belle, ouais, mais OK. J'ai besoin de le savoir une fois, tu te l'écris, t'as besoin d'un budget. Moi, je veux être connecté, là. Puis tout passe. Mais en même temps, ça donne. Tu sais pas plus comment ça passe. Pas en tout. T'as besoin au moins de la base. Mais là, c'est tout linké, là. Mon Belle, il est payé. Mais j'ai de la misère avec ça. Mais c'est normal. Mais regarde, en même temps, t'as de la misère, mais tu veux pas nécessairement faire l'effort, tu catches? Oh! Crime, c'est check ça. C'est tout bien. Ma paperasse est faite, là. C'est beau, ton bureau. Je viens de me louer un bureau, là, ça s'en va, là, j'ai un petit bureau là, comme un fonctionnaire. Ah oui? Ouais, mais avec des créatifs. Fait qu'on a des plantes. Ah, mais c'est beau ça, comme un bureau vert. Oui. J'aime ça, une belle initiative. T'aimerais pas ça faire de l'humour? Non. Est-ce que tu... Parce que là, t'es chroniqueuse là, tu fais de la télé, tu fais de la radio, on te voit un peu partout. Ça t'intéresse-tu ou tu trouves que c'est un peu trop pété? On va terminer là-dessus. Ben là, non, ça m'intéresse. Minutes, mais...
Mais tu trouves-tu que le cadre n'est pas assez rigide? Parce que c'est ça, tu peux perdre de... Ouais. Ben, tu sais, je pense qu'en ce moment aussi, je suis tranquillement en train de me mouler, là, puis de voir vraiment qu'est-ce que j'aime faire, là. Moi, j'ai pas l'impression... Mais anyway, j'ai besoin de ça, mais j'ai pas l'impression que ma vie va être, comme je te dis, du 8 à 5, là, tu sais. Puis que je vais être un peu à la merci d'un contrat et l'autre, tu sais. Puis honnêtement, ça me satisfait, là, tu sais. Mais en même temps, parce que... Puis l'affaire aussi, c'est parce que... Je suis quelqu'un qui ne va pas nécessairement se pitcher sur tout, tu sais. Moi, il faut que ça me parle, il faut que ça me fasse un petit... ça résonne en dedans de moi, tu sais. Sinon, ça me paraît d'en faire, ça me tente pas d'être là. Puis, ah, ouais, fais... hein? Ah ouais. Puis je fais pas bien refléter non plus ton projet ou, tu sais, fait que c'est du dana-dana, tu sais. OK, mais sans, mettons, me donner d'exemples concrets, ouais. C'est quoi ta face, mettons, de j'en ai rien à chier? T'es-tu capable, mettons que tu viens à mon podcast puis t'aurais pas eu de fun, là? Ben, j'aurais pas ri. Oh. Dans la bruit. Mais comme t'es-tu... Non, mais le pire, c'est que je suis quand même assez poker face dans vie. T'es capable, je pense, de... Ouais. Tu sais, je t'aurais pas nécessairement montré que j'ai pas de plaisir, mais j'aurais dit, hey, plus jamais, man. Moi, quand même, ça paraît dans ma face. Mais c'est sûr que ah c'est... oui, ça paraît, Chuck. Quand t'es tanné, t'es tanné. Ouais, mais c'est sûr que c'est... correct? T'es désobligeant. C'est-tu correct ou j'ai l'air mange-marde? Non! Parce non, que de plus en plus que j'ai de plus en plus je fais comme... Tu deviens Grinch un peu? Pas Grinch, mais je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Ouais. Puis comme si... C'est correct. Moi, c'est le respect, puis, mais je peux... Ouais. Tu sais, je suis super fin, mais je peux faire genre... Hey, là, j'ai pas de fun. Ouais, mais c'est correct on a, de dire ce que... Je pense que oui. Mais oui. Mais on veut tellement bien paraître, mais t'sais. En fait, moi, je suis pas là non plus. Je veux pas bien paraître. Je veux être bien, tu sais. Fait que si je m'en vais là puis ça me dit rien puis que je sais que je vais pas être moi-même, ben je vais pas me faire chier. Tu comprends? Je vais juste pas y aller. Fait que elle a l'affaire. Fait que je choisis mes projets, fait que je suis consciente que des fois ben ça se peut que je sois plus que mettons 3 jours sans faire de quoi parce que j'ai dit non à ça parce que ça me parlait pas, puis au même titre que je peux avoir des semaines super chargées, mais c'est comme ça que j'ai ben oui, j'ai décidé que je voulais vivre ma vie de même, puis j'ai l'impression que si y a quelque chose de beau et grand devant moi, c'est comme ça que je vais l'atteindre, t'sais. Merci, guys! Elle est en pleine ascension. Ah ouais, tu me vois-tu? Tu me vois-tu? Avec vrai, mes t'as, deux t'as... bâtons de randonnée, ouais, fait ouais. Ta petite barre cliff, tes merelles. J'ai adoré ça. Je pense être le mot de la fin. Mais merci, mais t'as l'air super bien. Mais t'es fin, Alex. T'es fin. J'ai hâte de te voir à Toronto. On se va plus se voir. On va, je pense qu'on n'aura pas de. Bon, tu vas chez ta bitou. Je vais te laisser des billets. Hey, viens pas. Viens pas ici, testi, sans que. Moi, j'ai peur de ça. Non, je vais pas venir. Mais pour vrai, tu me. Je vais te laisser des billets. Ben, c'est quand? Ben, ce soir, il y a un show Netflix. Hein? Sur Netflix? On est les. Non, c'est commandité par Netflix. On est les nouveaux visages de l'humour à la place des arts. Bon, à soir. Ben là, ben, solo, ben non, mais je pas. Là, tu me dis. Tu me donnes au moins quelques jours d'avis. Ouais, non, ouais. Mais je vais. S'il faut que je fasse ça, je vais écrire toutes mes dates, là, puis je vais t'envoyer ça. Ah, fais ça, please. Tu viendras au bordel. Oui, oui. OK, au bordel. Excuse-moi, j'étais content. Ça y est. Oui, oui. Là, t'as dit bordel, je suis comme. Oui, j'aime ça, les gars. T'écoutes-tu de l'humour? J'adore ça. C'est qui ton humoriste préféré? Mon humoriste préféré. Ben ton style, mettons, si tu veux rester vague. Mon Dieu, parce qu'on dirait qu'elle n'a pas. Mon humoriste préféré non, avec les yeux de. Aide-moi, hein! Non, mais c'est parce que j'en ai François beaucoup. François Bellefeuille est vétérinaire. J'adore François Bellefeuille. J'adore. Genre, honnêtement, François Bellefeuille, quand je vais le voir en spectacle, j'ai toujours une séquence où je ne respire plus tellement que je ris. Genre, ça me coupe le souffle. Wow. Oui. Non, mais. T'as-tu l'humour fucké? Bellefeuille, c'est un peu fou, là? Ouais, attends. En fait, j'aime pas mal toutes les sortes d'humour. C'est ça qui arrive. Ok, pardon. Ouais, ça se peut. Pardon? Mais parce que j'essaie de, en même temps, j'essaie de penser, je suis pas capable de te donner qui j'aime parce que j'en aime trop. Mais j'essaie de penser à qui j'aime moins. Fait comme ça, tu vas peut-être comprendre. Je veux des noms, Non, ça me dérange pas, là. Attends, pas que je déteste, mais que j'aime mais moins. Mais c'est de l'art, c'est pas grave. Mais des fois, parce que je pense que tu catches juste pas. Si, mettons, ok, Guillaume Wagner, je le catche moins. Mm. Mais je suis capable d'écouter son show. Je suis capable d'être là, de l'écouter, puis je vais apprécier. T'es-tu mais... plus dans l'anecdote, dans la folie, t'es un petit plus te faire surprendre. Guillaume, il est plus dans... C'est revendicateur. Revendicateur, il est plus loin dans, le, dans l'humeur. Il est quand même physique. Moi, j'ai le... Ouais, non, il joue ses affaires. Je sais pas que c'était quoi ça, mais... T'aimes-tu Mario Jean? Oui, mais tu sais, je le regarde pas.
Non, mais dans le sens que... Non, mais je vais poser la question. Parce que, mettons, il y a plus qu'un choix, ben c'est pas lui que je vais prendre. Dominique Paquet. Ah, je l'adore, lui. Mm. Oh, je la trouve très drôle. OK. Ouais. Oh, oui. OK. Bon, ben... Tu comprends? Tu viendras me voir en show. Parfait. Non, bon, moi, t'es j'ai là. J'ai ça petit côté de Dumb Pocket. Chuck, comment tu me décrirais? Ouais, c'est quoi son humour? Je le sais pas, c'est quoi mon humour. Moi, on me dit que j'étais un mélange entre Tom Segura... Oh mon dieu. Tom, c'est... tu connais-tu? Ben, je sais qui, mais ah ouais? Ah, il est... c'est mon numéro un, je l'adore. Tom Segura, puis Maniscalco. Maniscalco. Sebastian Maniscalco. C'est ça que j'allais dire, en fait. Fait que j'ai un peu le physique à Maniscalco avec voyons, tabarnak, Faux de jeune. Le feel de Tom Segura. L'humour d'observation de Tom Segura. Ouais, ça c'était assez. C'est 2 heures. Mais c'est 2 heures, c'est mon heure. Puis je mange jusqu'à 2 heures du matin, puis après ça, je me couche. C'est ça que je fais. C'est ça que je fais. Fait que là, j'ai faim à 2 heures. Je mange pendant 12 heures. La tête olympique qui me fait, fais pas ça, mais ok, c'est pour toi. Non, mais c'est ton horaire parce que tu te couches pas avant 2 heures. C'est sûr, t'as décalé. Y'a pas de soucis. 2 livres de griot par jour. Chuck, le mot de la haie, à l'heure de partir, là, tu vois, là, la flamme s'est éteinte, là. On parle de... Hey, Chuck, mais tu m'as pas répondu. Ah oui, mais tu m'as répondu. Ben oui. OK. Excuse-moi, je t'écoutais pas. Ben, je voulais te remercier, Marianne, en fait, pour elle. Tu nous as fait vivre un peu ce qui s'est passé aux Olympiques, puis moi, ça m'est jamais arrivé, fait que moi, j'ai vécu quoi aujourd'hui? Merci. Je suis vraiment content. Merci, Chuck. J'apprécie. Oh. Absolument. Ben, puis Alex, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de Marianne. Je pense qu'on... C'est-à-dire? Oui. Ben, la diligence, le perfectionnisme, l'organisation, la prudence. Non, mais vous êtes... Attends, check, moi, non, ça, mais check, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est Tyler Lopez, ici, qui... Non, mais vous êtes des artistes. Attends, je vais te montrer Michael Jordan. Oui, je veux voir. Il dit que c'est douche, mais c'est genre... C'est genre... Oh, les mollies, mais genre, c'est ses bras qui stretchent à un niveau... Oh là là, qu'est-ce qui s'est écrit en haut? Jordan? No bird soars too high, he soars with his own wings. Attends. William Blake. Hein? Aucun oiseau vole trop haut s'il vole avec ses propres ailes. De ses propres ailes. OK. Puis en haut? En haut. Ben, il y a des lettres en haut. Je pense que c'est Wings. Ah! Ah, c'est décevant, hein? Non. Ben non, mais ça fait du sens, il y a une main dessus. Ouais. Il y a des longs bras. OK. Fait que ça, Chuck, il est toujours en train de caler de un peu mon côté ça? Douche, là. Non! Ben là, tu sais, j'ai aussi I've Missed More Than Nanta. ça, c'est quand même douche. Ben regarde, J'étais un fan de High Achievers. Ben oui, il n'y a pas de mal à ça. Oh. C'est correct, tu peux vivre ta vie, puis c'est correct. And that is what I see. Oh my God! Moi l'enlever. Non, c'est parfait! Non, c'est parfait! Arrête! Car, mets ton focus sur la plaque d'immatriculation. Elle est belle, hein? 57, Québec. Je voulais juste remercier les gens qui nous suivent sur Patreon. Présentement, l'épisode roule sur Patreon. Merci beaucoup à tout le monde. On est en plein été. On est dans le futur. Fait que merci à ceux qui sont venus au festival Juste pour Rire Live. Ça veut rien dire, on est dans le futur. On est dans le futur quand on enregistre. Là, on est dans le futur quand on le publie. OK, fait que là, tu remercies les gens qui ne sont pas encore venus à Spotify, mais sont venus. Ils sont venus. On les remercie. Et puis, bon, salut aussi tous les gens qui nous écoutent en septembre, octobre, qui l'écoutent gratuitement. On tire la plug! Ben, c'est ça. Fait que merci beaucoup à tout le monde qui nous encourage. Merci à tout le monde qui sont sur Patreon. On l'apprécie vraiment. Merci, laissez-nous 5 étoiles à iTunes. Ouais, Podbean, Spotify, on est sur Google Play. Vous êtes partout, boys. On est partout. Vous êtes merci. Partout, boys. Faut que tu reviennes pour une deuxième heure. OK, j'en ai une médaille. Oui, puis on parle d'un sujet X. Là. T'amènes un sujet que tu veux jaser, puis on développe ça. Parfait. Puis je vais essayer d'avoir parce que... L'insémination. Parfait. Comment inséminer une vache? Non, les humains. OK. Parfait, oui, on fait ça. Mais moi, je suis un gars de ferme. Moi, toute ma famille, c'est des fermiers. Oh, pourquoi on ne peut pas parler de toi? En fait, on devrait parler de toi, ton podcast. On va inverser les rôles. Je vais te poser des questions. T'aimerais-tu ça? Ben, ça serait pas pire, non? Ah oui? Alex, parle-moi de toi. Puis tu vas peut-être devenir genre... Morning Woman de Cogeco. 98.5 avec Marianne Saint-Gelais. Je sais pas ce que tu dis. Alors, c'est la... Merci. Là, faut que je dise quoi, Chuck? On fait une pub... Non, attends. Non, c'est pas tout sûr, ça va être après l'enregistrement. Ça va être après? OK. Là, j'ai un blanc, t'as dit la... Dis tout, merci à tout le monde, tu peux closer ça. Il me semble que j'avais une plug à faire, puis je sais pas c'est quoi. Oui! Merci à Dessin Électronique, nos commanditaires. Et là, étant donné que t'es là, j'avais une deuxième carte cadeau pour un an d'abonnement à Econofitness. Wow! Okay. L'abonnement Gold. Cool.
Je l'ai pas fait tirer, pas en tout. Fait que je le fais tirer parmi nos auditeurs. Les vidéos, écrivez-nous, je veux la passe. Econo Fitness, puis ta gang. Hein? Ça va être ça, c'est ça. Puis toi, tu choisis là-dedans? Ouais. Wow! C'est parce que ça fait un an qu'ils me l'ont donné, puis je l'ai pas encore fait tirer. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est ça que je fais, là. Go, 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 go. Allez-y. Merci infiniment. Où est-ce qu'on peut te voir? Si on veut voir Instagram, t'as-tu un Instagram? Ben oui, sur Instagram, je m'appelle Body2. Pourquoi? Ah, regarde, ça, c'est un running gang de famille que je vous épargne. Ah. Mais si t'écris Marianne Saint-Jean, tu peux très bien me trouver, là. Sinon, ben, j'ai une page fanpage, Marianne Saint-Jean. Et j'ai un compte personnel aussi Facebook, mais. Souvent, je les réfère à la page. Allez à la page, oui. C'est ma page perso, vous êtes oui. Chez nous. Parfait. Merci infiniment. Non, mais tu sais, t'amènes ça. Non, non, tu viens pas cogner. Oui, c'est sûr. Je veux ça à Twitter, mais j'avoue que je suis pas trop Twitter. Pourquoi tu ris? Mais ton micro prenait marre. Ben oui. Twitter, c'est de la merde, Twitter. Non. Ah, là, de dire que c'est de la merde, tu vas calmer tes nerfs. Ben moi, je suis pas. Moi, c'est blanc ou c'est noir, dans la vie. Ouais, mais c'est juste une plateforme que j'utilise moi. Qu'est-ce que pourquoi tu ris, toi? Faut que ça soit noir ou blanc dans ma vie. Il est tout le temps dans le gris. Il est dans le gris. Il est tout le temps, t'es tout le temps dans le gris. T'es dans la brume, mon chum. T'es le même. Tu surfes dans le gris. Hop, pourquoi je suis dans le gris? Mais c'est correct. Qu'est-ce que le gris? Non, mais c'est beau. Gris, c'est pas toi, blanc ou noir. Ouais, t'es pas tant blanc ou noir. Quand je l'ai dit, j'ai fait. Non, mais c'est correct parce que tu disais qu'est-ce qui me représente pas dans la vie, c'est être blanc ou noir. Je suis tanné. C'était un autre épisode de Répète pas ça. Merci infiniment, Marianne Saint-Gelais. Merci, Alex. À une deuxième heure. Merci, Chuck. Avec tes médailles. Merci.